Puis on est back tous les dimanches. Mm -hmm. Vous savez déjà où est-ce que ça se passe. Yes, sir. On est au hidden showroom. Bang bang. Yes. Yeah, so si vous voulez des lunettes, mm. des vraies lunettes. Mm -hmm. Vous savez déjà à qui halla. Vous faites un big holla à lunettes. You my man. He's got everything. As you see, everything is for sale. Yes, sir. Et bien sûr, vous voyez nos yeux. Vous voyez l'ambiance. Vous savez déjà comment ça se passe. Big shout-out à la famille de Smoke Signals, Kenny Oui, oui. God damn, they got us right. Chaque semaine, big shout-out à la famille Smoke Signals. Suivez-les sur tous les réseaux. Yes, sir. So, vous savez déjà comment on fait au podcast, man. You know, toujours des gros invités. Cette semaine, man, on a quelqu'un que he's been putting in work. Facts. Ça fait longtemps, man, à, à Montréal, dans la province même. Euh, C'est un gars qui représente la Rive-Sud, il vient de drop un nouveau projet avec son boy Batchy Flow, Yes. XLV 2. Mm -hmm. Je parle du seul et unique PCL dans la maison. What up, bro? Yes, sir. On est là, On bro. Yes, yes, sir. Depuis le temps, là. Depuis le temps, fax, <laughs> man. <rire> ça fait plaisir, man. For real. Puis qu'est-ce que je dis? C'est vrai, man. Ça fait longtemps. Comme, tu même en faisant l'émission, je suis en train de checker le background. Puis tout. Puis comme, yo, you've been putting in work. Ça fait des années. Puis c'est dope de voir que. T'es là, t'es actif, puis tu viens de drop un projet solide là, en ce moment. Euh, com com comment te, tu vois le feedback depuis que tu l'as sorti C'est juste du positif. Ah ouais hein? Ouais ouais. Genre tout le monde me dit que j'étais pop, puis que bah je suis aussi monsieur, genre. Que... Oh. c'est chaud là. Yo mais moi je. Rapproche le micro un peu. Yeah. Yes yeah. yeah, sir. It's a, it's a really easy album. Uh, c'est comme facile à écouter, tu sais, comme tu mm -hmm. l'écoutes, tu mets play. You let it ride the whole time, c'est vraiment dope, vous um, vous complimentez bien, tu sais toi puis Bachiflo, je trouve c'est dope. I mean I, I mean I like it man, I think it was dope. Come Yo, sincèrement, moi la première chose que je me suis demandé, c'est c'est quoi la charge de travail que tu as mis là-dedans parce que c'est du lourd. Quand j'écoute, ça sonne bien, les fits sonnent bien. Euh, vous êtes allé chercher Tiso et tout, on va revenir là-dessus, mm -hmm. mais toi c'est c'est quoi c'est quoi le temps, c'est c'est quoi que ça représente pour toi Yo, ça représente quand même beaucoup, je te dirais, là, comme... XLV, c'est un mouvement, là, comme dans le sort. Euh, c'est un mouvement qu'on a parti. Puis que on a sorti le premier projet. La pandémie est arrivée. enfin comme tout le monde trouvait, on avait juste ça à faire là. Mm -hmm. Puis XLV à la base, c'est toi, puis Bachiflo? À la base, ouais, c'était juste. C'était vraiment PCL, Bachiflo, le projet XLV. Genre. Okay. Puis après ça, c'est devenu comme trois... XLV partout, comment on, comme on ça le rap, puis finalement c'est devenu, trop il y a Isandana qui est là avec nous, comme yeah. si, on rap, XLV, c'est pas un, comme un peu genre collectif, vibe un peu. Okay. T'sais, t'sais, t'sais. Mais c'est quoi, bon. c'est des chiffres romains, XLV ouais. Ça veut dire combien, XLV? 45. 45, ok. 45, c'est le hood C'est le hood. Ok, parce qu'il y, y a le Chamédé aussi, 45. Ça, ouais, vrai, dans Laval, c'est vrai, mais dans le South, c'est euh, l'autobus qui, qui fait Terminus Panama à Downtown, tu vois. Ok, c'est comme l'autobus de brossard, si on veut, dans le sort. Puis il y a le 45, on a enlevé le zéro. Normal, big shout out. Mais c'est ça, moi, quand j'ai regardé un peu ta discographie et tout, je suis allé vite fait sur Spotify. Puis j'ai vu que ça commence à 2017. Vite fait, parce que c'était 2018, je pense même. Je pense qu'il y a un single. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, Exactement. Puis quand je regardais, c'était la. Ah, ok, ouais. Ben ça, c'est comme quand Bachet distribué, c'est comme un peu son. Ben en fait c'était un nom qu'il avait trouvé il a juste marqué ça mais c'était pas un label rien L autrement c'était genre Bashi qui a upload le shit sur une plateforme genre ok ça veut dire que toi depuis 2017 c'était un peu à partir de là que avec Bashi? exactement ouais 2018 je dirais mais tu étais dans le background depuis bien sûr je ouais, connais ouais, bien sûr mais puis toi tu viens quand même du era est-ce que c'était plus du K ouais. genre... Ouais, ouais, là ouais, même ouais. sur l'album ici il y a beaucoup de mélodies il y a beaucoup de vibes. puis mais ben, Bashi lui c'est ça qui ramène un peu trop hein? moi mm -hmm. là bas je suis pas trop un gars mélodieux puis tout ouais, mais... mais tu joues une coupe de mélodie ouais je suis capable la mais album. la vérité c'est Bashi qui comme dans le, le mouvement XLV c'est lui qui ramène les mélodies trop hein? puis on se complète moi j'amène d'autres éléments genre mais yeah. comme ah mais c'est dope mais je trouve que tu t'es bien comme tu t'adaptes bien au, au ouais type, ouais mais il faut quoi, mais ouais. aussi c'est ça c'est les gars avec qui je traîne tu sais les gars avec qui je fais la musique sont un peu plus jeunes que moi, tu vois. Okay. OK. Comme, pis ces gars-là, je veux pas. Moi, j'ai 30. J'ai eu 30. Yeah. Euh, euh, fait, okay. fait que les Youngins, ils t'amènent dans des vibes plus mélodieux. Exact. OK. C'est ça. Pis là, j'étais comme, yo, je veux, je voulais, parce que je feel ça. Trop bien, les mélodies, pis tout. Mais genre, c'était pas. Euh, moi, je veux juste faire des verses, là, tu vois. Pis là, euh, c'est ça, bro. Ben yo, moi, sincèrement, je dis mission accomplie. Yeah, mais c'était déjà quelque chose sur quoi je m'étais un peu aventuré sur le premier XLV, tu comprends? Mm -hmm. Puis mm -hmm. le, le projet était fait différent. XLV, c'était des prods qu'on avait pris de YouTube, on n'avait pas les stems, on n'avait pas tous les sons. Fait C'était nice, mais c'était un début de quelque chose que. Tu sais, moi j'aime le projet, mais ça n'a rien à voir avec le deuxième. Là, comme. là le deuxième, c'est ça, c'est un producer euh, de la France, right, qui, qui a ouais, produit. Le cousin à Ah, ok, ok. C'est quoi le nom encore? Genjutsu. Genjutsu. Ok, c'était des Z autres yeah Ok. Je reconnais hein, tout, tout ça. radar oui ah ouais, oh, tu dope no production les. for real man so, ça c'était quoi c'était à partir de ce projet-là que vous avez commencé à travailler avec lui yo dans le temps de xlv 1 là mm -hmm. il nous avait envoyé des beats puis je sais pas on, on a dormi trois on n'a pas travaillé là-dessus puis un an après je lui dis oh ton cousin bla 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 il nous a renvoyé des beats puis aussi oh, là que ça a commencé trop le, le gars il est un génie là c'est quoi qui fait de lui un génie son, la qualité de son son, je pense. Puis il y a une, je trouve qu'il y a une sonorité particulière à lui. Trouvant que, okay. quand que lui, j'ai entendu ces bits là, j'entendais pas de bits comme ça. Celui qui moi. a masterisé aussi le, non. le projet, lui, c'est ou... juste les... les prods, ouais. Ok, puis il est là-bas, lui, et l'autre bord, ouais, dans le 9-4, okay. je pense. Si je me trompe pas, ok, dope. Fait que c'est tout fait à, à distance. Genre. Ben lui, il nous envoie les bits par email, whatever. On, on a un groupe, il m'envoie, puis là, je suis comme ok, tac, tac, tac. ok. Puis, puis tout ce projet-là, c'est sorti indépendant, right? C'est ben, vrai. Votre... Puis ça serait-tu comme un. Quand tu regardes la scène un peu, le, le paysage de la game montréalaise, est-ce que. Ça serait-tu, exemple, un but éventuel de signer avec un label ou ben plus construire? Non, on ne construire... sera jamais fermé à ça. J'ai une vision du truc. Je pousse ça, mais genre, éventuellement, si on se rend à un certain level, si je veux pas aller. Ça ne m'intéresse pas vraiment de essayer d'avoir un deal si je ne suis pas déjà à un certain niveau autrement ok en tout cas moi c'est comme j'ai une genre de vision que je veux le faire par moi-même puis que j'aime ça ce côté là un peu ça euh, ouais, bon, euh, ouais, ouais 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 ça j'aime ça c'est quoi tu penses qu'il faut qu'il faut faire plus disons pour arriver où est-ce que tu veux arriver parce que la, la musique est, est solide à, continuer de work tu bon, euh, mm -hmm. c'est la seule chose que je vois que vous jouez beaucoup de vidéos quand même mais ça fait deux visuel. ans depuis 2020 on est actif souvent c'est rien deux ans là. Mm. dans la musique on a sorti des singles si ça mais c'est juste de continuer à work puis 100%. Ça, ça grandit à chaque fois là en fait, c'était constant man. No, doubt, no doubt. puis tu sais comme depuis la game tu sais toi t'es dans la game depuis quelle année genre depuis presque dix ans right t es dans la game peut-être plus même théoriquement les 2000, mon premier mixtape là, que j'ai sorti c'est 2012 fait quoi dix ans ok quand même ouais. tu sais fait que t'as vu la game quand même évoluer de quand en 2012, c'était plus comme tu prints ouais, des mixtapes. Ouais, j'ai fait genre, euh, 200 mixtapes, on les a, on les a sur le Exactement. On en fait. Puis aujourd'hui, ah ouais. c'est comme réseaux sociaux. Il faut qu'on fasse un post, il faut que tu shares ça. Mm -hmm. comment, comment tu vois ça taimes tu mieux le, le old days ou t'es plus dans avec le new technology, Spotify Merci, ciao. J'aimais le old, mais comme si. J'aime bien aussi aujourd'hui, on dirait que c'est plus facile, je sais pas, la communication, le moyen de communication, toutes ces affaires-là, genre. Ouais. Je ne sais pas si c'est... Ben en fait, je ne peux pas te dire, genre, les deux, je file. Là, je vis le moment présent. Si Mais je t'ai entendu dire tu ne seras pas sur un TikTok, quelque chose comme ça. Mais <laughs> des, fois, des fois, dans la musique, ils vont peut-être te dire... Yo, hey. En plus, c'est fucked tu sais quoi? Parce que j'ai créé un compte TikTok, genre. Puis, Arrête! Euh... Ben oui, j'ai réécouté, réécouté mon album. J'ai réécouté mon album. J'ai Je dis comment j'ai dit, dit, dit ça, dans le fond. Vague, j'ai délit de la faire de suite. Mais je n'étais pas là en fait. Moi, je disais ça dans le sens... Tu me verras pas, genre, sur TikTok en train de faire des danses. Bon, Moi, je pensais vrai, que c'était ça, TikTok, là. Là, après oh, ça, j'ai ouais. vu les gens faisaient plein d'affaires sur ça, genre. Bien sûr. Mais. Normal, ben oui, mon Mais bon, euh... C'est rendu. Rendu. rendu ça. Yo, là, by the way, un instant. Ouais. Tout le monde, allez follow 11MTL, allez yes, follow. PCL. Mm -hmm. Allez, follow peut-être même G7 oh, peut sur, sur TikTok. Non, moi, je suis plus sur TikTok. Moi, j'ai ah, mon, ah, attends, attends, <laughs> mon code TikTok OZMDL, oh, bro. Moi, je suis en IG, mm. là. Je ne suis pas sur TikTok. Ah, moi, je IG, Snap. Ah, OK. Mais avant ça, on va revenir sur le passé parce que P.C.L. et moi, on se connaît depuis très longtemps, mm. mais on a des belles bouteilles sur la table. Je pense que J. 7 va nous faire une belle présentation. Vous savez, c'est quoi les vibes ici au podcast, man Toujours des choses haut de gamme, you know what I mean? Quand mm -hmm. qu on parle haut de gamme, on parle du rhum Rosemont. Vous voyez les bouteilles sur la table, you know what I mean? Aujourd'hui, c'est du spicy vibes, you know what I mean? Spicy rum. Il y a, a peut-être une bouteille d'ananas qu'on va déguster plus tard. Oh, you know yo, you know ça c'est. C'est Charlotte la distillerie de Montréal, you know I mean? C'est distillé ici à Montréal, compagnie locale, supportez ça, allez à la SAQ, get yourself a bottle, or two, or three, Rosemont. For know us, by Rome. us, bro, yes, MTL. Mm -hmm. So, 2000, quoi, 2014, je faisais les shows rap Your Hood, mm -hmm. t'étais là, t'étais en mode face à face dans le temps. Ouais, face à face, fort là, en plus. En très, très fort là. Ok, ça c'était okay, tes débuts, right, quand t'as commencé ouais. De 2012 à 2015, 2016, genre, je te dirais là. Ok. Puis toi, ton background, c'est quoi T'es-tu euh, euh, québécois es... Ben, Ma mère québécoise, mon père chilien. Ah, oh, ok. Ah, oh, ok, moitié, moitié. Mais euh, comme j'ai voyagé beaucoup dans ma vie, genre, mes parents ont split tôt. genre. Ok. Puis euh, ma mère, en tout cas, était maquilleuse, Radio-Canada, tout. Puis là, elle a rencontré quelqu'un qui était un français. Okay. Ils sont encore mariés à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Okay, fait ouais. nous, on a bougé l'autre bord, genre, quand j'avais quoi, 10 ans, là, genre. Où, en France, euh, à Paris. Ben, ah ouais? Sergi, dans le 95 Val-d'Oise. Sergi Pontois, genre. Dans le, okay. nord, dans le nord. Bon, le nord, Ok, moi, ça, ça me fait penser à Sniper. Ouais, c'est Sniper. Sniper, c'était 30 minutes de où est-ce que j'étais, là, en Ah oh, ouais? Ok, puis ça, c'était avec elle, t'avais 10 ans? J'avais 10 ans. T'es resté là combien de temps? 4 ans. Mais après même. ça, je faisais back and forth, genre, comme. C'est quoi 10 okay, ans? T'as fait, fait comme le high school un peu là-bas, en ouais, France, fait? Ouais, j'ai fait le high tout. school là-bas. Dernière année, là-bas, genre, c'est euh, cinq années de primaire ouais Puis six années je pense au secondaire au collège ok c'est comment les dons? vibes euh, scolaires là-bas comparé ben, au moins c'est je veux dire comme c'était à Paris en banlieue de Paris là le dans le 95 c'était pas les grosses cités comme tout le monde peut s'imaginer mais c'était un hood là 3 ans. ok c'est so, genre euh, je débarque là-bas suis le seul blanc là 3 ah ouais hein? so, ouais c'est straight up comme ça ok so, ça m'a pris bah ben, moi c'était posé c'est juste qu'il a fallu que Trois je m'impose. Make your moi, presence ouais, felt, là. Ça, là, comme. Puis tu faisais du rap dans ce temps-là? Mais non. J'étais un youngin là. Okay. Je connaissais à... Je commençais, là, j'avais 10 ans, trois. Puis c'est comment ton premier impact avec le rap? C'est mon père, mon cousin. C'est mm. mon premier album vraiment. Ben il y a MM, mais j'étais quand même jeune, trop bon. Mm. Puis après, c'est le Chronic 2001, genre, que moi qui m'a marqué. Genre. Mm. Mon père m'a acheté l'album. Puis là il y avait une feuille de bois, j'étais comme yeah, yo. Ah, déjà, ouais. moi je toujours c'est mon père qui m'a acheté up. là ma mère elle était comme yo qu'est-ce que tu fais tu peux pas écouter ça même M&M toi <laughs> ma mère elle était quand même stricte, là genre ah ouais, puis ton mon père, père c'est c'est lui qui t'a influencé à écouter du rap oui puis non là ah, c'est comme... cool quand même c'est un bon cadeau c'est lui là. qui m'a acheté cet album là au moins c'était pas un album comme Chingy ou quelque chose comme ça là tu sais <laughs> non I'm just saying you know I mean, c'est bon qu'il a donné The <laughs> fin 2001 tu l'as aimé l'album ben oui pour moi mon era c'est le bel album c'est discutable là, pour. Mm -hmm. Mais moi, dans ce que j'ai grandi, ma vie, je je sais pas. Oh, ouais, c'était un five-month album. Ça. Non, moi, mais, en fait, c'était juste savoir parce que tu disais que tu, tu faisais des back and forth. Je voulais savoir c'était quoi qui t'avait influencé le plus, si c'était le rap de Montréal ou du Québec. Mais quand je suis parti d'ici, c'est ça, dans le fond, j'avais comme une, une genre de cousine. Ben, c'est ma cousine dans le fond. Mm -hmm. Elle, elle écoutait. Ben, elle m'avait montré le territoire aussi, trop bon c'est en 99 2000 je pense yeah. après ça moi je connais rien d'autre euh, musique plus il y avait funky family c'est la seule chose ayam je pense c'est la seule chose que je connaissais de rap français okay. so, j'ai bougé l'autre bord je connais rien là trois mois. puis t'es arrivé direct à Rives sud sud euh, non non moi, moi je suis né comme euh, un peu Montréal Nord ben, sur j'ai fait mon primaire jusqu'à euh, quatrième année à Pierre de Coubertin je c'est sur Charleroi, à -Nord. Mm. OK. Comme une fait. école un peu sport, genre concentré. Pas un sport études, mais comme. OK, puis là, tu toi quand tu as eu comme, les albums que tu parles qui t'ont influencé tout, c'est quand tu as dit OK, I'm gonna grab the mic, je vais essayer de faire de la musique Ça, ou... c'est venu vers 17 ans, genre, je te dirais. 16-17 ans. OK. Avec mon cousin Rest in Peace. Rest in Peace. Alright, pis, OK, fait que tu commencé à faire quoi Des petits mixtapes, homemade, kind of thing euh, genre? Ben, genre, dans nos des mixtapes sur euh, mixtape Torrent, genre. Ok, ouais. Genre, il y avait des, des mixtapes d'instru de State. Mm, yeah. So, là, on rappelle comme ça, genre. Mais... Dope, dope, dope. Puis, puis après ça, c'était avec 8e. Euh, c'est ça, toi, face à face. Yeah, ouais, la première ouais. fois que j'ai rec dans un studio, bro, c'est vraiment. C'est à Paris, genre, comme un été que je suis allé là, je pense, 18 oh, okay. ans. Puis là, euh, genre, j'ai réussi à trouver, genre, comme un studio. Ah ouais, C'est ouais. quand même un studio professionnel, là. Genre, il y avait des gars de section d'assaut avant qu'ils blow up, ils avaient rec là, genre. Moi, C'est quoi qui t'avait poussé à aller rec là-bas? Moi, j'étais juste en vacances à aller chiller avec ma famille. Ma mère, elle habitait là. Mon petit frère, maintenant, ils sont revenus ici, mais back then, ils étaient là-bas pendant jusqu'à 2013, 2014, je pense. Puis là, tu y retournes-tu souvent? Pas depuis qu'ils sont revenus. Non. Mais J'ai ma soeur qui habite là-bas encore aussi. OK. Je suis quand même connecté là-bas, mais c'est juste que j'ai pas été là. Puis, t'as-tu toujours rappé en français? Ouais. Ok. Ouais. Là, je, suis, je, suis, je me débrouille en anglais, tu vois, mais comme avant, ça c'est dans les trois, trois dernières années, genre. Comme... Okay. ok. Avant, je t'ai. Avant courri, ça, c'était. Ouais, j'ai moi, je suis comme. Je vais pas euh, rapper dans une, dans une langue que je maîtrise pas, là, tu vois. Ok. Ok. tu okay. so T'es allé, t'as rappé ton premier track. T'es allé au, en studio. Ouais, mais le, le track est jamais sorti, là. Il est jamais sorti, mais c'est quoi, quoi la première truc que, comme, t'assumes? Dire, ah, moi j'étais un gars, rythme moi c'est le flow là ça je l'ai toujours eu mm -hmm. après c'est les lyrics. c'était comme mais ça a été ça le montant de ma voix dans un mic comme... okay. non ce que je veux dire ça a été quoi le premier projet ou le premier track ah, comme okay. drop. que j'ai as que t'as joué t'es comme yo mon moi. premier mixtape bro c'était euh, soldat du milieu yeah. en 2012 yeah. Je pense que je me rappelle de ça, Il y ouais. avait OTT, 4 yeah, yeah, yeah. mm. je me rappelle uh, je uh, de ça. Oui. C'est ça, 8e, je l 8e est arrivé dans le background. Puis, est ça. Il est arrivé pense... dans le background, après ça, il est arrivé dans le forefront, vous avez fait un... Yo, mais c'est ça, 8e, il rapait pas, là, il a commencé à rapper, là, je suis dit, ah, toi, t'es fort, c'est un boy en commun, il nous a, a link up, tu vois? Okay. Euh, Après ça, 2012, avec Félix, le même gars qu'aujourd'hui, c'est le même gars, là. C'est-tu le gars qui wreck tout le monde, tout le monde. Euh, sur la rive sud? Ouais, ouais, tout le monde. Bah... C'est le gars nommés, là. Moi, je connais, je, je connais le nom. Parce que le petit me... frère d'Albator, DJ Albator. Ah, ouais, ok. Avec Yvon. Ouais, ouais. Ok, ben, bah, on devrait le recevoir ici. Big bah, oui, Félix, man. Yo, Tout, le monde, plug, ouais, tout le monde de la rive sud parle de ce gars-là. Tout le monde wreck là-bas, on dirait. c'est mon frère, là. On ouais, ah, est comme ça, là. Mon frère. Ok, nice. So, since day one, c'est ça depuis. C'est avec lui, au bout de ce gars-là, j'ai connu. Genre, j'avais 15 ans, je pense, 16 ans, genre, dans un tuning okay. Hors musique, toi hein? okay, Moi, je savais okay. même pas qu'ils okay. faisaient de la musique. Je connaissais rien d'ici, là. Ouais. puis toi, t'en faisais, là, en ce temps-là? Même pas. Ah, OK. <laughs> je pas okay, okay, euh, like Ouais, that, Destin, moi, là, genre. genre. C'est fou. puis c'est-tu vraiment comme ça qu'il y a... Tu sais, on dirait, on, on voit un mouvement, là, de Rive-Sud, vous êtes toutes quand même connectés d'une façon ou de l'autre. Mm -hmm. ah, une mentionné bonne Dana, famille Europe, là, C'est ça. Euh, Dawa Mafia, ils sont souvent dans les feats. Euh, quand un euh, cartel est venu, une, amie, une PCL mm -hmm. était pas trop loin. Une amie, so, non, tout le monde se connaît indirectement. Ça, ça c'est-tu euh, à cause de, de, de Félix, tout le monde en juste au même temps? Non, pas, en fait, non. en dehors de ça, ces petits rives sud, là, à Saint-Hubert, Longueuil, Brossard. Toi, t'es où? Je, je veux pas, euh, ben, moi, je suis plus proche de Brossard, là, genre. OK. okay. Mais j'ai habité, habité à Longueuil, j'habitais à Saint-Jean, j'ai habité partout, là. Là, tu as mentionné OTT Force comme Comment tu connectais avec les gars dans le game back in the euh, days, Début comme. de Facebook, je pense. Oui. Ok, c'était encore ah sur ouais, les réseaux. là Genre, il bumpait avec Force Manu, je pas. On rappelle avec Force on avait. Moi, je écrit direct là, yo. Normal, là, tu Ok. Je peux dire, On love comme c'est les premiers OG qui m'ont donné. Mental en force volume 2, là, dans le temps. Ouais, Mental en force, là. C'est bon. Ça, c'est Là, j'ai dit, ah, il est sur mon Facebook, je sais même pas pourquoi. Genre, Il est partout. Il est sur Facebook. Il est encore là, Il est actif, il always there, Ok, ça, c'est. T'es rentré dans un peu, c'est là que t'as connu un peu. Le mon premier le... mixtape que j'ai fait là ouais. Tu as Première commencé à, à ouvrir session. tes frontières disons, étais, toi tu étais dans on a faire des feats avec tout le monde. Ouais, moi je suis dans sur les feats, j'aime ça faire des feats. Mais, Mais c'est bon Bruce. À ce moment là, genre, euh, ouais, c'était un mixtape vraiment solo avec quelques features, genre Mais la game était différente dans ce temps là comparé à ce que c'est maintenant. C était différent, c ce que on a grind comme on était dans tous les shows. Moi j'essayais d'être dans tous les shows possibles. On a fait des shows là, on n'était pas payé on débarquait là, des fois il y avait 100 personnes, des fois il y en avait 10, des fois il ouais. y en avait 30 ouais ça c'est comme le story of life ben là oui, dans bro. le temps là. Ben ouais, ouais c'était ça, ça c'était un grind là. moi j'étais c'est un gros grind genre, bro ouais. je me rappelle j'avais vu une entrevue back in the day. je pense que c'était toi puis euh, toi puis huitième euh, sur nuit euh, blanche avec DICE B shit. old interview là je pense sans ça, ça a été à tes débuts première interview je pense ah ouais hein? ouais, ouais 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 Non, mais ben non bro pour moi c'était un gros shit je me rappelle qu'on avait fait l'interview pour euh, rap your hood quand étais, on est allé au studio puis tu comme yo, venez au. Venez. Je l'ai encore dans mes vidéos privées. Venez wow. au Rip Your Hood. Insane, ça. Dans les, Je... dans les mêmes temps. C'était dans les mêmes temps. C'est fou, mais c'était différent, moi, dans ce temps-là. C'était comme... ça, là. C'était les shows. Puis tu ça, les ouais, jeux radio. C'est ça que j'aimais, puis... c'est ça. J'ai réussi à, à faire des bons shows, là, Steelers, là, tu vois, ben hein, oui. jusqu'à 2014. À un moment donné, j'ai vu Rico Rich, il avait fait un concours, tu vois. Ouais, les boom. Boom. Ouais, euh, c'est ouais. bon. Non, on l'a pété, cette affaire-là, là. là. Nice. Comme si c'était un concours, il fallait poster un beat. Ceux qui avaient le plus de likes, genre, ils étaient sélectionnés pour le That's concours. Ça, Yo, ce concours-là... Là, so là fait... bro, le, 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 cette affaire-là de likes, on a ouvert tout le monde, tu vois. OK. Là, on a été bookés en show. Puis nous, on avait un style qui était comme... Plus montréalais, là, tu sais, comme c'était pas... C'était différent. Tu sais comment c'était, ça? Là-bas, c'était juste du monde de Québec. On dirait, nous, on est arrivés bou oh, ouais C'était bad, là. Puis là, <laughs> on a gagné le truc. On a fait la première partie de Médine, Caris. Ok, euh, nice. Cette Gecko. Ouais, ouais, on a fait des, des grosses shit. Ça. Oh shit. ça, c'est quelle année, ça, qu'on parle de ça? 2014, là, 2000, 2013 à 2015. Ok, fait que vous avez Avant quand que même... ça devienne comme. Ça devient comme ça, change. Digitize, genre. Ouais, genre. Mais, mais vous aviez quand même un gros run, puis on dirait que t'avais pris comme un break ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai pris de la un musique. break. Pourquoi Ben, c'était la vie, là. Je, je voulais focuser sur autre chose, genre. Ok. T'as-tu toujours continué à faire de la je musique faisais, ou... genre juste rêve, je faisais juste plus sortir. Ah, ok. Mais j'ai jamais arrêté la musique complet. en tant que tel, genre. T'avais fait un feat avec le Cous là, 33e degré dans le temps ben, j'ai fait un feat. Ben oui, c'est ça, ouais. ça, que je tu dis C'est un bingo. Ça, c'était plein de ça. Ouais, c'était un fou beat yes sir mais euh, le, on avait plein de bibos qui étaient sur Youtube que moi je les ai tous délit ah. puis, puis comment tu vois la scène comme de la Rive-Sud back in the days à comparer à aujourd'hui tu comme je parle de tous les gars avec qui vous travaillez mais avant c'est que les gars ont fait beaucoup de bruit mais il n'y avait pas beaucoup de monde vois. il y a eu Yvon mm il -hmm. y a eu Full Equip puis il y a eu Roy Nock, qui a fait son grands. après ça il y a eu la nouvelle génération de moi huitième Cartel vois. ouais non mais tu sais même, même avant ça ah euh... ben ouais ok ok Casey désolé L non non okay, non oui, mais... c'est vrai mais ça c'est vrai mais Pour moi dire, personnellement je ne sais pas si qui eux autres, parce que non, non, comme de nom fait, oui je sais que c'est du South mm -hmm. c'est des légendes du South ça donc, je vois donc tout non de... non mais c'est juste fou parce que les roots un peu mais ça genre moi je suis dans le South Shore ouais ça c'est vrai par exemple parce que je veux dire Casey L M N O puis Cool Rock MRF, ça, c est c est ces gars-là, man. Ça, moi, gars je, suis Shore, je suis jeune t'sais. pour ce, non, ça, cette génération-là, tu vois. Toi, t'as connu plus... Bah, moi, était, ça a été Yvon, puis après ça, il y a eu Full Equip, tu vois. OK. Puis, puis, puis Yvon, t'écoutais ses albums, puis tout, genre? Le premier album, bah, ben bah, oui, classique. Mais il like y, y a eu grave. quelques sons, puis c'est plus tard, comme en vieillissant, que j'ai pris le temps d'écouter l'album. Yeah. Mais, bah, oui, c'est Yvon, là. 100%, man. South yeah, Squad South Squad, shout-out. De nom, je connais le neveu d'un des gars. ouais. Classic names, like non? Il y a, a, a une rich hip-hop history yeah. de Montréal, genre dans le South Shore, South for South real yeah. man. et Après ça, il y avait les full equip, c'est ça, Casper, tout ces gars-là, man. Yeah, crazy. Yeah, man, je me rappelle avec Rockma dans le temps, là. Mm -hmm. Rockma. Yes, yes, yes. yes, big shout out. Même yes. euh, le gars de um, Double Shots, Ferenzano. C'est vrai, c'est un, un gars de, de, ça, gars de la Sophie. Rive Sud aussi. Il y avait une chanson, je suis le king de la Rive Sud, ou je ne sais pas, je Kennedy, Tu t'en rappelles? Je crois que c'est là que toutes les affaires ont commencé. Là, ah, là, oui, ça, mar... ça, ça Moi, j'étais des... jeune, là, dans cette époque-là, je ne les connaissais même pas encore. Là. Ça a fait parler, là, dans ce temps-là, je, je me rappelle, veux... Back in the Days. On non, mais tu sais, il y a toujours eu quelque chose. C'est dope de voir qu'aujourd'hui, tous les gars sont connectés. J'aime vraiment voir que tout le monde, toutes les filles tu sais, entre guillemets, ils ont rapport, genre, dans un sens que tu peux voir que c'est toute une connexion. C'est juste des gars du sort, à part mais Nino aussi, je vois que. Il y a il... deux filles sur, sur le projet. Mais oh ouais. normal. Normal. C est, c est, c est ouais. Comme je pense, ça fait un bout de temps que tu collabores avec lui, right? Ouais, mais Ou je le connais avec Santana. Ok. Je disais, tu sais, Santana, a quoi, 40 a plus jeunes que moi, genre, je pense. Ok, ok, ok. Big shout <laughs> out, la famille. Et Santana, notre lui, crans. On a link avec Nino, puis. Genre, pendant la pandémie, là, genre, c'est ça. Gros artiste, man. bon. on est, est au studio, puis avec lui, on dirait que c'est juste naturel, genre. On arrive, puis c'est quick, là, tu vois. Eh oui, normal. Euh, pour les gens qui se demandent, on a envoyé l'invitation à Bashi Flo. Bashi's, shout out Bashi. Big shout out à Bashi. Big shout out, big shout Sans out. Sans lui, il n'y aurait pas le projet, même si. Oh. Ah, ouais. oui. <laughs> ah oui, normal. Même si, de toute façon, il se fait discret, mais. Il yeah, est yeah, low Il low c'est lui qui, a, qui a, il a ramené beaucoup, il a ramené sa partie, il a ramené Genjutsu. Puis tu, tu sais, ah. en, entre vous deux, quand vous travaillez, est-ce que c'est est, est plus toi qui est comme, yo, ok, il faut qu'on fasse ça, faut...", ou c'est plus lui qui te met À la base, à euh, le XLV, le premier projet, ouais. lui, parce que comme je t'ai dit, il est trop fort en mélodie. genre, so, mm -hmm. lui, a son studio chez lui. jean okay, nice. Félix, lui a dit, comme il prends telle, telle, telle comment, affaire. Il m'a commencé lui, est smart, so, il s'enregistre lui-même. So, lui, il m'envoyait les mélodies, tu vois. Ben, il ouais. m'envoyait, en fait, non, les, les hooks. Il fait un rook, il ah, m'envoie... Okay. Bon je commence par c'est trop facile, je fais un buzz, boum, boum, boum. C'était comme ça que ça s'est fait, lui, il Rick chez lui, genre. C'est dope ça. Ouais. Ah, après ça, super. il m'envoie, puis là, moi, je vais au studio. C'est facile, après, c'est Après ça, les pour mix, toi, les sessions de mix, on est ensemble, genre, mais comme mm -hmm. la base, ça, elle se fait un peu à distance, genre. OK, dope. Vous êtes connu connus euh, Bachi, she... c'est par rapport à la musique, un autre, bah, genre, Facebook, là, genre. Comme, je sais que c'est un gars de Saint-Hubert, lui, c'est plus un... Saint-Hubert, genre, c'est... C'est mm la -hmm. même chose, là, mais de saint hubert on a LinkOp, je l'ai invité à un clip, le clip face-à-face -face, sauvage en Bagdad. Yeah. Il est venu, il y a Show Love Direct, puis on a une grosse connexion. De c'est depuis 2015 qu'il est là, entourage dans la musique avec moi, stills, autrement. Fait Et c'est le Bachi, c'est juste normal que ça soit comme ça. Là. Ok, mais c'est cool, c'est ça. C'est pour ça que je voyais, tu avais comme Ewa, un peu de C'est oui, comme nous, on a décidé de mettre un nom entre bon Mais, mais c'est Bachi, ça, ouais. Mais aujourd'hui, comme comment vous voyez ça? Comme c'est quoi? Vous êtes un label, c'est un label? Ouais, 4XLV. XLV. Euh, on plutôt... essaie de... On n'est pas encore enregistré, tu vois? mais c'est l'étape sur quoi. En tout cas, moi j'ai une vision. Puis comme je te disais, genre, puis j'aimerais peut-être aller faire ce step-là de vraiment euh, être autonome, genre. C'est ce mais... peut-être juste aller chercher une distribution style, genre. Mm -hmm. Mais rester indépendant, genre, je produis mes shit. Puis est-ce est que tu prévois comme rester, continuer à faire des projets comme toi et Batchyflow as a duo. Là, là j'ai un, un EP solo là. Ah, Ok. Après ça c'est ça. Je dois, ok. Je dois, vous PCL allez faire... doit sortir solo. Ok. PCL c'est ton prénom. Mes initiales. C'est tes initiales. Okay, ouais, juste pour pas gâcher la tête. Là. Ah non normalement. Non, <laughs> oh, juste pour savoir. <laughs> c'est le nickname forever comme le forever nickname. Là c'est le P, c'est le, le P. Ah c'est le P. Avant P, ouais. avant euh, avant mais... Ghana. <laughs> ok. Let it be known. Mais ce que j'aime, c'est que t'es es consistant since. Depuis que j'ai repris, ouais. Depuis que tu as repris, comme on voit, tu prends ça sérieux, comme tu es très technique aussi, comme tu étudies mm -hmm. ça, tu prends ça. Donc, est-ce que toi, à la base, c'était ça que tu voulais? C'était vraiment, c'est un long-term... C'est une vision... Ben je l'ai réalisé. Terme. Je l'ai réalisé quand même assez rapidement. Rapidement, comme quand j'ai arrêté en 2015, j'ai pris une pause, puis je savais que veux, pas ça, tout, a, tout a changé. Là, toi. Mm. Que, genre, je savais que même si j'en revenais, genre en tout cas, c'est compliqué un peu à expliquer, là, mais ouais, je savais est... que ça allait être sur du long terme, que j'allais pas être le gars qui allait blow up comme ça. Là, toi, hein. comme... Mais c'est souvent comme ça, C'est rare le monde qui vont vraiment sortir puis ben, d'un il... coup ouais, ouais, ouais. à moins que, que tu tout... sois jeune trop bon quand nous yo, moi j'avais 20 ans on a fait du bruit rapide là, trop bon, avec les mixtapes tout ça genre mais là ouais, tout mais avait même... changé j'étais rendu un peu plus vieux genre j'avais juste rien sorti pendant quatre ans enfin je t'ai rendu quelqu'un de nouveau là trois bon. ouais mais c'est dans un sens il a fallu que tu fasses ça pour arriver à ce que tu fais maintenant c'est tu sais ce que je veux dire ouais, comme ça, so, like, à la fin même eux que tu vois non, succès, so, ouais. ils ont toute leur histoire dans l'arrière ouais, ouais. qui était si j'avais un autre nom. j'avais you know what I mean c'est important, le, 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 le journey est important, mais comme c'est sûr qu'aujourd'hui, même la game comment elle est, avec les labels qu'on parle, si tu y vas indépendant, comme avec l'industrie au Québec, comment c'est avec les, les subventions, tout ça. c'est tu quelque chose que tu regardes, que tu étudies un peu? Ouais, comment les, ça? Ouais, Parce je, que c'est important, J'étudie. Je regarde ça, je suis. J'essaie d'apprendre, 100 oh ouais. Non, même parce que. Parce que une, je sais ce que je fais maintenant quand je veux sortir un projet, un single. Un ci, un ça je sais comment m'y prendre trop grand, mais exact. je veux dire je, je sais que je peux apprendre plus puis à et aller ouais, chercher c'est pas évident là you, go, you learn ouais. as you go mais je dis ça aussi parce que vous êtes un team puis tout c'est vraiment dope et important que tout le monde s'implique d'une façon ou de l'autre de cette ah non, façon non mais chacun pour... joue son c'est son... yeah. ah ouais. ah, dope parce qu'aujourd'hui tu et can go far parce que avec les, les subventions tu peux aller chercher quand tu deviens les fait, subvention tu sais je sais pas encore You know I mean? c'est juste que ça prend... Comme qu'on disait, c'est un long-term plan, puis ça, c'est une affaire long terme, mais ça exact. vaut la peine quand tu y arrives, tu sais, parce que les gars qui sont là en ce moment... Même si, exemple, c'est pas moi, genre, moi, j'ai cette vision-là, tu sais, même si c'est pas moi qui... Si je peux éventuellement faire... Tu sais, à quelqu'un, c'est ça, mon but, là, genre. 100 man. 100 parce que maintenant, on voit que les artistes peuvent actually make a living, là, pour faire, faire du vrai. Ah, peu, il y a des possibilités, tu sais, maintenant, là. Je veux pas dire tout le monde peut vraiment être millionnaire, mais comme on voit des gars qui ont, qui ont fait quand même quelque chose de solide là. So, tu peux envisionner une vraie carrière avec ça, you know what I mean? Ben, je pense que c'est important. Je pense que les gars il faut, il faut que tout le monde s'y go, go hard in it, you know what I mean? Si tu vas rentrer dans la game comme c'est important de go all out, you know what I mean? Ben of course, vous avez fait un feat avec Tizo. Mm. Mm. Ça vient d'où la connexion? Ça c'était le chef, Félix, Félix encore c'est ah encore. Félix, encore. C'est le gars là, mec, c'est le Yo, plug du <laughs> Explique. The plug bah ben yo, en vrai, euh, encore avec Santana, tu Santana Dino m'a présenté un gars que lui, c'est YB Out of Space, genre. Est, en tout cas, c'est oui, ben gars lui, oui the gang, ça. Ouais, oui, 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 gang, exact. Ah, oui, Donc, okay. ce là, ce gars-là, genre, les gars m'ont link-up, on était dans le même spot. suis comme, yo, t'es fort, on a commencé, on a link-up, genre. Puis après, je lui ai dit, yo, oh, je te vois sur un shit, tu vois. So, Donc, direct, il est au studio. Puis lui, il connaissait Tizo, tu so, lui il a ramené Tizo. Puis là... Euh, oui, Rick et c'est comme un, ça c'est fait, bro. Puis, il n'y a, a pas de clip hein, pour ce, ce track-là Non, peut-être, je ne sais pas encore, on va voir comment que l'album… Ok, je pense que ça vaudrait la peine, non Ah, il y a plusieurs gros… gros... Oh, yeah. Il y a des gros tracks, oh, c'est difficile hein, de choisir, hein Snake, gros track. Ouais, euh... Snake, l'œil du cyclone. L'œil du cyclone solide. Ouais, track. Non, 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 des... ouais, ouais, ça sûrement. Il y en a plusieurs. C'est un bon 44-45 minutes. 45 minutes, je te jure, c'est C'est même pas voulu, bro, cette affaire-là. Je l'ai remarqué après. C'était 45 minutes. Oh, ma belle, il a chier bro, c'est un truc de fou, ça. Là, j'étais comme, c'est fou, bro. C'est même pas planifié, cette affaire-là. Ouais, bro, c'est incroyable. Cette affaire-là, depuis qu'on est XLV, on voit le. On le voit partout. C'est bon. oh, comme le 11 moi aussi. Ouais, c'est ça. On se doit le voir partout. Onze, oh, là. shit. <rire> <rire> Yo, fait que là, maintenant qu'on voit que, tu sais, everything, tout commence à réouvrir Je voulais continuer tout. si tu me permets. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Sur les featuring. Ah, OK, vas-y. Parce que as, on a le frérot Isantana qui est là. Mm. Ça vient d'où, la connexion? 8e OK. And since then? Et puis, ouais on s'est connus puis lui il avait le côté trouvant ben, dominicain soit dominicain mon so, nalingope so, moi ça m'a comme rapproché de mes origines c'est ça mais ben c'est un truc que... est-ce que c'est quand toi tu t'es dé décidé peut-être à ouais peut à ce moment-là big time là ouais parce que c'est une grosse scène là ouais non seulement ça moi j'ai pas dit ça je me suis pas non non c'est pas clair. commencé à faire ça en me disant ah, ah je vais yo. essayer de viser une scène parce que comme je te dis mon shit est en français tu hein? soit mm -hmm. on est à Montréal soit je peux mettre un peu d'anglais un peu d'espagnol par-ci par là trop, hein? Le mélanger, mais je, je pense pas, bro, bro moi, yeah. dans la scène latine, parce que, bro, je le fais pas en espagnol, tout simplement. Non, mais c'est ouais. dope mais de quand même mettre. Mais ça reste dans mes origines, petits... sur le je le rap et je suis fier. Là, mais bien vois, sûr, mon ouais. gars, bro. Throwing in lines. Vraiment moi, je trouve strange. ça dope. Des... Y a-tu beaucoup d'artistes français qui mettent des petits lines espagnols dans leurs affaires Je ah, suis pas, tellement ouais. habitué au franglais que je sais même mais pas. Mais j'ai le frérot Salimo, des fois, qui rajoute des petits. Salimo, ouais, c'est vrai, il y avait un petit verbe un peu latino, mais c'est cool parce que. Mais c'est un des exactement je connaissais pas je sais qu'il y a des rappeurs euh, qu'il y a des artistes reggaeton ou, ici à Montréal mais comme des mais rappeurs là. des rappeurs comme euh, latino je sais pas si on a beaucoup à vous de me le dire mais c'est cool de voir cette, un peu cette fraîcheur puis aussi tu sais tu rappes euh, parce que je le vois là dans ton projet tu dis mais, comme Longo. tu ouais, ouais ouais tu raps, tu le dis là ça, parce que comme si tu trouves ma couleur je vois tout le monde sur, sur là avec le n word mais moi tu personnellement moi je vais jamais ça, ah ouais normal, normal. Ça, moi je l'ai tous sans loco là tu vois mon loco bah ben, oui frérot Et vous c'est comme ça là <laughs> c'est vrai. vraiment ça puis genre je l'ai abusé puis là maintenant c'est it. bah ben, yo moi la première chose que je veux donner c'est big shout out à comment ça fait, à la personne qui a fait euh, le, le mastering ou la, la qualité du son ben, le oui. projet mon gars grâce à lui il n'y aurait pas euh... Lui aussi, c'est un autre morceau solide, là, comme Félix, hein, c'est lui qui a. Oui. C'est lui, là. Sincèrement. Puis, toi, moi, je sais que depuis, comment ça s'appelle Depuis quoi, 2014, comme tu dis que tu es dans le game. C'est quoi ta. C'est quoi c'est comment que tu te vois Peut-être pour, pour les 10 prochaines années. Mmh. Bonne question. Sur les 10 prochaines années, je me vois plus derrière, sur la production puis ces affaires-là. C'est ça, je vois que t'es beaucoup plus... 5 ans, la musique, ouais, je peux, moi, être sur le front. Mais après, tu sais, je suis réaliste. Comme, genre, tu sais, je l'ai dit, en plus, dans une interview Ouais. C'est vrai. J'ai dit, comme, yo, genre... Je trouve ça, comme, fucking nice de voir que, genre... Comme, il y a des gars à 40 ans qui reviennent, puis, genre, ils sont fucking lourds, tu vois. Mais moi, je sais pas si je suis pas... Ça me dérange pas, comme je t'ai dit, je suis un gars d'équipe, puis, genre, ça me dérange pas de prendre un pied en arrière, puis, genre, essayer de... C'est ça, parce que de, tu deviens pas un peu, peu t'es un OG, bro. De toute façon, quand je te vois, là, depuis... Non, moi, je me considère pas OG, là. Non, mais pas un peu, je te vois comme t'es... J'ai 30 ans, mais je suis jeune, hein, les OG, Mais, mais l'égal, la génération façon... avant, moi. Là. Mais façon de dire, c'est que moi, ce que j'aime, c'est que ouais, tu que ce que te vrai. mélanges que, et que tu, 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 ouais, tu donnes de la force. les deux, ouais, les deux généreuses, et... bah, ouais. T'es partout, les deux, genre. comme t'es es là, t'es comme le chiller, là. Façon de dire, t'es Rive-Sud, là, aujourd'hui, tu me dis, yo, t'es PCL, frère. Tu me dis, c'est ouais, PC parce que tu es un peu... Tu as collaboré avec tout le monde, on ouais. voit à gauche, à droite, et là, tu donnes la force. Since then, depuis avant, les streaming sessions. Ouais. Et là, c'est so, ça que je veux dire. Donc, je pense que tu es un bon porteur de flambeau, comme c'est cool à voir. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais, Puis, tu sais, ça, si je peux redonner, même si c'est ça, genre, moi, je grind sur ma musique et tout, mais comme... À un moment donné, je sais pas, le temps passe, le temps, il passe vite. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est n'est pas en mode rap. Tu peux continuer à rapper, mais le knowledge, façon de dire que tu es là, tu fais tes shows, tu fais les trucs propres, vous êtes en train de, un peu de vous. Autres, tu me dis que tu n'es pas sûr de t'enregistrer. Moi, je pense c'est la meilleure chose que vous devriez faire. Non, c'est le next ta... step. On parle de le ça. C'est juste step. de savoir comme... comment le faire. Puis je veux pas faire de quoi si. Mais comment Vraiment... savoir comment le faire C'est ça que je trouve comme un peu. Normalement, ça ouais, fait comme 10 que ans que tu es là, là. Normalement, tu devrais savoir comment le faire. comme mm -hmm. C'est. Les gars, vous avez le, vous, vous avez la, vous avez la, comment dire, l'entourage, vous avez même le background. Ben, aujourd'hui, l'information, c'est sûr que l'information est plus facile, ont à aller chercher là aujourd'hui, c'est vrai. Mais comme, ouais, moi je pense que ça, ça vaut la peine de faire 100% man, 100% man. I think it's worth it. You can Il y, y a toutes sortes de bread à aller chercher, man. Il y avait qui aussi en plus Il y a Lorenzo Corleone, ouais. qui est sur Allez. le projet qu'on découvre. Mmh. C'est un artiste en anglais là. Ouais. Je connaissais artiste, pas moi. C'est ça. Je connaissais pas. Ouais, c'est un il... gars de la Rive Sud aussi. Ouais ouais. Il arrive lourd là. un C'est so il il ouais, ouais. so clair que a pété que as... le refrain là dans Do It Again là. Mm -hmm. Il a pété. So euh... C'est ça que je veux te dire, c'est après, après ça as des gens qui viennent se rattacher. Tu as plein de gens là -dedans. autour dans l'entourage ils sont comme yo moi je veux faire du rap. Mm -hmm. C'est des gars qui, qui, qui sont plein, plein de talents, qui sont dans les hoods. Donc tu peux devenir un peu comme euh, une personne à, à qui Un à aller. go to Je comprends, ouais, ouais, normal. Puis sans vos studio. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. même s'il y a d'autres affaires que tu peux aller chercher, comme qui disait, c'est toutes les shows, le grind de back then aujourd'hui, toutes ces affaires-là, tu as beaucoup de knowledge que tu as, as acquis. Puis tu sais, si tu travailles avec des gars qui sont plus jeunes, puis tout, c'est important. Pis je pense mm -hmm. que ça peut être bénéfique pour les deux. Les plus jeunes, mm -hmm. ils t'amènent sur le côté créatif, il ouais, dit des de affaires. Tandis que toi, sur le côté peut-être business background, tu peux les, leur donner un coup de pouce, you know I mean? Yo, on, on a oublié de parler de quelqu'un dans la Rive Sud. Mais je ne sais pas si on a. Ouais, on a parlé de, a parlé de Casper. Big shout out, Casper. Full equip. Casper c'est mm. un OG, man. J'aimerais vraiment ça avoir Casper ici sur la chaise. Mais I'm throwing it out there in the atmosphere, you know what I mean? Shout out mon boy Casper. Mais ouais. Jamais aller aux entrevues, hein, je pense. Il n'en fait pas beaucoup. Voilà. Ben, il en faisait back in the days, là, mais je ne pense pas qu'il en a fait dans les dernières années, non. non. C'est comment tu as ramené C'est la famille. C'est le bon frère pour moi. Là. Ah ouais? Depuis back then. C'est-tu quelqu'un qui t'a aidé quand tu as, bah oui, as entré dans le game? Bah oui, il m'a aidé. Il m'a donné beaucoup de conseils. C'est devenu trop bon. Il connaît ma mère, je connais sa mère. Il la famille. là Ben ouais, 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 ouais. La OK, drôle, okay. cool. comme ça, c'est comme Félix, trouvant son grand-frère, c'est depuis... Même avant, on dirait que c'était déjà... Fait que t'étais-tu « around » dans le temps qu'il y avait tout ça, sans même coupé. le savoir, genre. Mais quand il faisait son full équipe, Ben, là, à ce moment-là, moi, j'étais pas trop dans le rap. OK. J'étais plus jeune, j'avais, je pense, 15-16 ans. Genre. OK, OK, OK. okay. C'est okay. peut-être un an après, puis là, en me renseignant, j'ai vu début du YouTube, 3 Quand même, hein? Ouais. Shit, OK. 2007, genre, 2006, trois. Yeah. Début de YouTube, c'est dans ce temps-là, moi. Ouais, ça a commencé dans ce temps-là, exactement. C'est quoi que tu as appris de Casper Tu as dit qu'il t'a donné des conseils et tout ben, Beaucoup de conseils, bro. Comment euh, sortir des affaires, trouver comment. Même en dehors de la musique. Quoi, genre. Real life shit, genre. Ouais, ouais. Ok, nice. Puis tu sais, quand on parle. Tu dit tantôt qu'on parle de Rive Sud, on sait ça. Il euh, y a quelqu'un qui a représenté la Rive Sud all the way, all over the world, là. Euh, le seul et unique Roy you Knock, me... Comment... <laughs> tu entends? Comment? T'entends? Comment que c'est? Est-ce que, tu... Est -ce que tu. Moi, personnellement, je le connais pas. Mais ah, okay. c'est Roy Knock, hein, ça. 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 Tout le vrai monde vrai le vrai connaît dans ce sens. Tant mieux, tu l'as amené ailleurs, bro. Qu Est-ce que, Est que quand est tu voilà. dis que tu viens de la rive ouais. sud, le monde te le mentionne-tu souvent des fois? Euh, non, même pas. Non? Peut-être à l'international au ouais. début. Genre, si des gars. J'arrivais là-bas. J'habite sur la rue Sud, forcément c'est m'est déjà arrivé, mais pas tant que ça en tant que tel nom. That's crazy, man. You made noise all the way there, man. Yo, sur la chanson, ça dit quoi? Tu dis que t'as pas vu le daron depuis 5 ans. Mm. C'est fou, bah, j'ai dit ça, mais je pense que ça fait 7. Comment ça? Je sais pas, je l'ai dit. Je crois, bah, en tout cas, il bah, y a juste des ménages au Chili, en fait. OK. Depuis, je pas. Euh... Et comment tu vis avec ça? Bah, on le fait comme on peut, là. je le sens avec la pandémie. Ça a bloqué les affaires, fait que je pense que... Mais lui, il, il, il suit un peu ta carrière Oui. Yeah. Il ouais, ouais. est C'est comment Il est fier, il montre à tous mes cousins que je n'ai jamais vu de ma vie, tu vois. Ah ouais C'est fou, là. Genre, ça là bas, dope, autres, ça, je ne sais pas comment ils voient le truc, genre, mais... Genre, mais, il... mais tantôt, on parlait comme ça. pense lui... que c'est big, là. Genre. Mais ton père, il, il t'a put on au rap, est ça. Il C'est ça, c'est ça, je te dis. Là, il doit être pour lui. Une grosse scène au Chili Ouais, il y a des gros artistes. Ben, la scène là-bas, ouais, ça va. Ça va. Je sais, tu devrais aller faire des petits shows au Chili, man. Ouais, ouais, ouais. Man, why not, man? Why not? Sais, man, on sentait le Chili, man. Okay. We coming up, bro. <rire> <rire> Et euh, comment dire? Le premier démon A, c'était le premier. C'était un gars aussi de, du, du, de la Rive-Sud. J'ai vu ça, c'était ton Et bon, premier? non, c'est pas un gars de ça, oh, je pense pas. Non, c'est pas un gars de ça, c'était ça. c'était Montréal. C'est un gars de Montréal. Ouais, je pense que un gars de Montréal. Ah ouais. Non, j'ai vu parce que c'était ça, le premier single, c'était en 2017. Après ça, euh, sur le projet. Donc, je voulais juste voir un peu à quel point tu voulais. Tu, tu répètes la Rive Sud. Là. Je suis en <laughs> bon, Non, parce que je ne connais pas les. les... <laughs> ok, tu es en train de checker s'il est officiel Rive Sud ou pas Non, parce ça, que j'ai ou... vu. Non, 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 non. Depuis. <laughs> J'essaie de. Parce que j'ai écrit dans mes notes, j'ai écrit 2017, single avec des ah, mots. Via Aywa Vision. Ça. Yo, ok. En 2012. Ok, bon. Premier album avec 8ème, genre, en 2013. C'est Carlos HHQC qui l'ont distribué, genre. Hey. En 2013, je pense, ouais. Il y avait Yvon Crevé, puis il y avait Casper, là, en 2013. So. J'ai repris ça depuis toujours. Là. Ok, depuis 2013. Ouais, ça ouais. veut dire since c'est une idée. Je crois qu'ils ne sont pas sur YouTube, mais je te jure que. T'étais sur HHQC, ils ont eu dans le temps, là Cosin. Cosin, genre, comme si, yo oh bro, c'est le début, c'est le changement. Ah ouais? On était sur iTunes. Il mm n'y -hmm. avait même pas de Spotify, bro. Puis on avait eu un deal. On a eu un deal. Que trop bon, si on vendait tant. Puis on l'a pas vendu tant parce que c'était off. Là. On aurait pu vendre en physique. Parce qu'on commençait à remonter, genre. Mais mm -hmm. digitalement, c'était off, là, trop. Hein. On n'a pas signé avec Silence d'or, Mais comme on a travaillé sur un album. Là. Puis il y avait Yvon Plus sur ce projet là Ok, fait tu étais quand même around. Ben, c'est un Chilien. Fait que moi, j'avais fait un clip. et j'avais montré le. Le drapeau Chili, puis tout de suite, on est rentré en contact Puis là, on a, on a parlé. Puis... OK, c'est dope. Yeah, yeah. C'est dope, ça. A... Puis maintenant, tu sais, ça doit être motivant quand même de voir même. Oui, 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 que lui, Qu'est-ce qu qu'il fait le chemin que... C'est incroyable. Tu sais, justement, on parlait de ça tantôt. Moi, je suis de fier temps. de lui, pour vrai, ouais. En plus, c'est ça. Montréal, Chili. 100%, man, c'est dope. Puis il est en train de mettre un, un œil aussi sur la scène là-dessus. Ouais, ouais, c'est ça. Il se doit un big move, man. C'est cool, man. Là, on voit des jeunes comme uh, Ozzy incroyable. C'est un pense ça Tu vois la rive -Sud aussi tout comme Mais oh ben, cool. ça a toujours été un il y toujours il y a plein de talents. Ben ouais, il y a plein de monde qui sort de la, qui qui font de la musique puis qui sortent même pas genre toi. Entre... Ben ouais, ben, je pense qu'aujourd'hui dans l'era ben, qu'on est tranquillement là ça arrive. Ben ouais ouais, c'est 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 le it's the easiest it's ever been là, comme tu tu l'as vécu avant là, le print le CD le mixial mm -hmm. c'est comme là là c'est clic clic là tu can put it out quick. Ouais, c'est assez mortel constant ouais c'est ça la clé comme tu sais tantôt je disais tu es là, là de, tu drops tes clips et tout puis je pense que c'est ça la chose la plus importante aujourd'hui parce que les gens ils ont un short attention span là, tu comprends comme même si tu drops un bon projet là, comme on parlait de euh, ça 3, tantôt trois quatre mois trois mois là trois bon, mois c'est beaucoup mais c'est ça tu sais on parlait de ça tantôt comme même quelqu'un qui sort un album qui est dope tu vas l'écouter la, la première semaine après mmh. peut-être tu vas retourner ça, un peu dis, mais comme on dirait aujourd'hui You get used to it. Tu, tu passes à d'autres choses. Je ne sais même vite. pas vraiment le dernier album. Il <coughs> y en a, mais c'est là. Ouais mais que ouais. you go back to, C'est C'est fou, man. C'est quoi tes albums classiques, toi, back in the day genre Anglais ou... Les deux. Si je te dis un anglais, un français. Il bah, y aurait Chronic 2001. Ouais, ou okay. euh, Get Rich. Ah, get Rich. Euh, Ces deux-là, man. Fucking Booba, là le premier le Panthéon ou l'autre d'avant aussi peut-être Tomor Tomor c'est ça ben oui oh, ouais. ok, okay. Ah, connu toi gros, un là. peu cette période là ou pas Bouba ouais non un peu non pas vraiment Ruff aussi bizarre. dans ces temps là c'était incroyable hein. pas vrai ah ouais toi t'es arrivé, Ruff m'a fait le bah, premier tu... le premier le premier beat de rap français comme je dis c'était au school il y a un gars qui est arrivé il m'a dit écoute ça genre puis t'as m'a fait un oh mais t'as vu ça? pour ceux ouais ouais ça a été dans les premiers beats puis là je me puis ça puis Bouba Tomor Panthéon, euh, quand j'étais bon. en France, back j'ai fait un track avec... Sniper était là aussi. Ben oui, man. Tandem... Il y avait Tendem. un chandail euh, Mafia-Kinfry. Ben comme oui, ça, c'était... Ah, what is that? Non, on se faisait des... C'est là que j'ai découvert ce gros... On se faisait des, des Graff T-shirts, là. Ah, ouais? Là, avant même, là, on n'avait pas de chandail ici si Mafia-Kinfry, mais on se faisait... Oui, t'avais... Comment il s'appelle, la ma... euh, oui. oui. Tu te rappelles, Misery, mmh. il, faisait du, il faisait du graph. Ouais. À Peel, bro. Misery, m'a fait des chandails, bro. Ah, si, il te le faisait quand même. Ouais, ouais, il m'a fait même des chandails on-cut. On n'avait on pas de on-cut à on Montréal. J'allais voir Misery au métro, Peel. Puis je me suis dit, oh, c'était Graph moi, des chandelles. Mais Mafia Quinfree, y avait le gars de 113, right? Ouais, euh, Rimka, ben oui, AP, AP Mokobi. Ouais. <coughs> ok. Ok. Oui, bro. Ok, t'as connu. tout. oui, moi, c'est ça. J'ai appris, j'ai grandi sur ça, en fait. T'as-tu grandi un peu aussi sur Marseille et tout là moins Soprano un peu, psychiatre Alonso tout ça. Ok, genre, ok, ok. Les... okay. leur album là, les micros là, les micros d'argent. Mais c'est un ça, peu Ça c'est rap français man. Ouais, ouais, j'ai grandi plus sur ça. Il y a un peu de State aussi quand même là. J Puis tu vois, c'est quoi toi, comment tu verrais le... Est-ce que tu penses que c'est important pour la scène d'ici de viser, de, regarder un peu ce qui, de, de viser la France ou tu penses que c'est mieux de qu'on se concentre ce qui se passe sur ici ah, Moi, je peux sur le concentrer ici et après tu sais, faire big ici. Puis... Ah ouais? ouais Pourquoi ouais. Parce que la scène, elle devient. Il faut la prendre en considération, je pense. Ouais, <laughs> je pense que ça aide à développer. Ils ont euh... déjà plein de rappeurs là-bas, là. nous, on arrive, toi, hein. à moins que tu bouges, l'autre bord bouge, puis fais des moves, reste là-bas, c'est ok, ouais. Mais, ouais, mais je pense que même si ouais, quelqu'un veut mais bouger. Mais je sais pas. C est, c est... Bro, même si quelqu'un veut bouger l'autre bord, il faut qu'il y ait un peu des credentials. Tu sais, comme exemple, on parle souvent d'Anima et l'autre bord. Anima, hum, il peut il dire oh, Moi, ici, je suis là-bas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis ils peuvent regarder l'autre il il bord. Il a pété la ville ici avant. Tu comprends ce je veux dire ça, ça, Puis Je pense que ça, ça l'aide beaucoup si tu bouges. Mais si tu bouges comme ça, la, main, la première chose que les gens vont faire souvent, c'est checker si tu bombes dans ta ville ou si tu es connu. Tu sais ce que je veux dire fait que celui est important je pense que ça l'aide à développer la ville il faut, faut qu'on développe ici mais on a quelque chose qui se passe puis justement je pense ouais, que je suis là avec ça, là. on est le premier era où ce que les gars can get paid puis live off rap for real t'si. fait que je pense que c'est important de continuer à water the plant you know what I mean right. I'm just saying je voulais revenir vite fait sur un truc yeah. il y a maire de Laval. Qui a parlé <laughs> sur. Euh... Shout out Monir. I mean, euh, shout out Monir, pareil. Non, mais qui a il... parlé sur la Rive-Sud il ouais. y a un moment donné. On va dire ça. Un, tu, tu comprends? Pose, là, dit, ouais. Ah, t'as fait un poste? Ouais, ouais, normal. C'est ben, juste, mais yo, t'as parlé de Rive-Sud, de Rive-Sud, c'est tout Je savais très bien que le gars, c'était même pas pour faire un buzz. je m'en bats les couilles là, de ces affaires-là, tu ouais. ouais, mais... Je m'en calisse, bro. La vérité, genre, tous ceux qui me connaissent savent que je suis pas un gars qui va essayer de faire un buzz avec ça. Mais le gars il a dit, ok, c'est juste, tiens. Je savais que tout le monde, c'était juste pour montrer que. Dans le centre, on est tête. S'il y en a qui parlent, on va tous être là. S'il n'y si avait rien, oui. au bout, on, on, on va le voir, toi, moi toi. je vais le voir. Là, je, vais, je, je peux parler avec lui, là. Ça ne veut pas aller dans les affaires okay, street. C'était mais... rien. C'était juste un pause pour dire, au oh, bout, ta gueule, là. Comme. Ok, moi j'ai pas vu, moi j'avais pas vu. Ouais, parce qu'il y avait t t une affaire comme c'est il. Mais c'est vrai que les gens, quand ils parlent de Longueuil, Longueuil c'est trash, Je suis un gars de sort, C'est la vérité, là, la... c'est pas, mais. Je, je suis fier d'être du sard, bro. Qu'est-ce qu'il y a, toi? So oui, on t'a dit, oh, oh, bro. Ça aurait été n'importe quelle lèvre, bro. Les gars auraient dit, oh, fuck you, là, toi. Non, vrai. mais quand même, moi, j'ai vu que les gars, tout le monde a quand même réagi. Ah, ouais, c'est rien je, de sérieux, là. Mais c'est ça. Moi, je voyais ça rien, comme là. rien de sérieux non plus. là, comme Ça, je m'aime de Laval. Là, je pense pas qu'il envoyait des serious shots pas vraiment le maire comme... de la valle mais c'est ah, ça là ouais. c'est mon air comme moi je pensais que i took it as a joke comme qu'il fait là tu sais ça sa fit avec son mais c'est quasiment carré, le casement il ou... pense en mode joke là trop il ya juste quelques uns il y en a un c'est sûr qu'à ce moment le bashi était bad. non lui sur cartel là trop un mec gros cartel lui et parti en cul là Yo, Cartel, tu veux pas Cartel Ouais, mais bro, vrai. vous connaissez comment ce gars-là là. Un live, là, <laughs> bro, ça n'avait pas rapport, bro. Cartel qui saute, t'avais les deux sur le même live, là. Yo, <laughs> bro, c'est rien, moi, j'ai juste fait un pause, bro. Je pense que même j'ai délité avant, yo, bro, c'était rien de sérieux, là. Non, non, mais c'est bon, c'est cool de voir que, yo... C'est plus drôle qu'autre chose. Que vous vous tenez, puis yo, shout out à tout le monde, façon de dire. Shout-out à Mounir, façon de dire. Ouais, pense a affaires, yo, Je pense qu'il qu qu a... Qu a touché le bon spot. Si vous voulait, voulait faire un peu de hype, <laughs> ça a marché, là, c'est sûr. Ça a vraiment marché, son truc. Mais c'est cool, oui. même. Je pense pas qu'il s'attendait à ça. Puis même moi, à un moment donné, j'étais comme, OK, c'est cool de voir. Yo, moi, je m'attendais pas à ça. Je pense que c'est à cause des posts euh, rapolitiques. Il faut qu'on qu okay, ouais. qu comprenne qu'aujourd'hui, on est rendu à ça, les gars. De toute façon, dire que... Comme tout le monde joue, il faut savoir faire la différence. Ouais, c'est ça qui comme est important. Qui, il faut savoir faire la différence. Parce que c'est healthy. Des... C'est même bro. healthy dans le game qu'il y ait des, petits, des ça. petits shots. Moi, je l'ai vu comme des... ça. Je lui ai dit, le monde va bon rire. Ça, ça a duré 24 heures. Il n'y a Exactement. pas eu de beef. Yo, bro, c'est rien, là. C'est merde de la vape. Moi, grâce à lui, j'ai découvert l'autre. C'est quoi C'est Togwan? C'est qui le. Ah, le vrai maire de la barre LAG. tagwan mais ça part ça aussi j'sais moi je connais même pas tagwan puis j'étais comme hein, le nom est déjà bizarre bro. mais c'est façon de dire tu vois à travers tout ça on découvre quelque chose il y a un univers qui se crée like it's just this is just cool tu comprends non mais c'est ça mais c'est c'est pour ça que je dis c'est healthy dans un sens parce que ça l'amène des clics ça fait les gens parler puis comme tu dis tu sais toi tu vas aller checker mm -hmm. oh shit OK il y a un autre gars il est tagwan LGs diamond what là. up comme tu découvres tout ça mais il faut que les gars sachent comme tu as dit, il faut il faut qu'ils puissent faire la différence entre ok c'est son internet shit c'est du rap shit ouais, pas, mais ça, faut pas 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 là. non ouais. mais ce qui est cool c'est que Pessel tu vois qu'il prend ça à cœur bro ben yo je pense que les gars ils le prennent disent, ouais moi non mais parce <laughs> que nous on est là en train de rapper euh, ça parce que j'ai l'impression aussi le South de genre le sort est quand même sous-estimé. là genre. Ouais, ça, j'allais te demander. Ouais. Tu penses-tu que les gens ils sleep sur le. Parce que sleep, souvent... je sais pas. Après, faut qu'on soit. Faut, on peut pas commencer à dire, ah, yo, les gens dorment, puis tu sors rien. Là, comme tu Non, non, là. non, mais, mais. Mais, ouais, bro, euh, je sais pas comme si. Euh, je sais pas. Parce que là, souvent, souvent on entend la voix. Tu sais, dans le sort, mm. qui, qui bombe qui fait des gros numbers, à part Dawa. Mm. Peut-être Ozzy, mais Ozzy, c'est une autre ligne. Ouais. pareil, il est still South Shore man, c'est il est... South Shore mais il fait pas le même style de musique nettement, lui c'est okay. c'est différent genre, mais les Dawa font des numbers, nous autres on euh, ouais je mais pas même, même plein non plus mais ouais. moi c'est même pas une affaire de numbers, c'est plus une affaire comme il y a des artistes solides en ce moment non on est là, si on parle de nous autres on parle de Santana, on parle de cartel, on parle de ouais, y a, euh, dawa y a Mafia mousse c'est vrai il y a définitivement un mouvement intéressant qui se passe mais comme les je sais pas, moi, souvent, quand on parle de dehors de Montréal, on dirait qu'on met l'emphase sur Laval. C'est vrai qu'il y a beaucoup de shit qui bombe à Laval. Mais ils ont grand pour, aussi. On je se dire, nous, euh, on était là. OK, il y avait des gars qui rappaient, mais qu'est-ce qu'on a... Pendant des non, années, il avait... y, 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 des... ouais, y avait... À part il n'y avait personne là, pendant ouais, un, un temps. Là. Vrai, mais... OK, ouais c'est vrai. Nous, c'est depuis 2012. On dirait qu'il y a une vague de rappeurs qui arrivent dans le South, mais comme... faut grand mais il, juif, il était, était est avec north, il était avec Gara dans le temps aussi, je me rappelle dans le temps ils avaient ouais, un ils truc en là. En... genre il... depuis longtemps man, moi je sais que comme tous les gars de la rive sud en ce moment tout le monde se connaît là. tout le monde se connaît ah ouais. de façon de dire c'est ça que je veux dire c'est comme depuis même 2014 2015 tu parles de Casper et tout et tout toi quand je quand j'y repense parce que c'est ça qui est le fun c'est que tu me rappelles des souvenirs là ouais, genre, ouais. avec tout ce qui <laughs> tout ce qui se passe sauf que c'est le fun de voir que tout le monde continue comme on voit disons, ans plus tard like ça c'est pas comment dissiper OK c'est peut-être pas c'est le fun on entend parler mais de l'aval pense... d'autres hodes à d'autres mais, mais vous restez constant ah, ouais. c'est pas comme si c'est mort whatever mais Donc... je pense que beaucoup d'artistes aussi ont vu que en ce moment tu disons depuis euh, les 4 5 dernières années ils voient que oh shit OK ça bombe Maintenant, le, tout le grind que j'ai mis back in the day, si je le fais maintenant, peut-être peut que je vais voir des fruits de ça. C'est ce que je veux dire. cest ouais, un, ben un peu ouais, ça? ouais aussi, ça, c'est une motivation. On ne veut pas, là, quand il y, y a des groupes dans la ville qui ont fait eh ouais, du ouais, bruit, puis que es comme, OK, Il y, y a des gros shit qui se passent, man. Il oui. euh, y a des gros moves qui se donnent. On ne veut pas, c'est sûr que c'est de la motivation. Puis moi, dans moi, je suis un gars que je vais mm -hmm. aller prendre ce que je vois. Il y a quelque chose sur la table, get il y a de la place pour tout le monde, je pense. Ben oui, bro. juste de grind, grind, grind. Puis ça va revenir, là. Moi, j'ai tout le temps pensé comme ça. Puis même back in the days, j'ai travaillé, puis j'ai eu des résultats. C'est juste que j'ai pris une pause pendant X nombre de temps. normal bonne. Tu travailles encore avec 8e 8e, cest toujours encore quelqu'un qui On est proche. Ok. Ouais, ouais. Nice. Puis tu sais, comme tantôt, je parlais, tu sais, on mentionnait métro, métro, puis des choses comme ça, des festivals. Est-ce que toi les choses c'est quelque chose que tu regardes que, parce que tu es un gars qui a fait des shows. si tu viens là, oui, du moi, Roo, tu as fait des choses tu en as fait des c'est quelque chose qui t'intéresse c'est quelque chose que... peut-être organiser des événements? Là, oui. ou plus euh, je sais pas on va voir comment c'est quoi les opportunités qui se présentent puis on, ouais, je pense on va penser façon, à ça genre. je pense que c'est important même, mais ça quoi. arrive tu sais l'été arrive la covid ça devrait j'imagine mais ouais là, là c'est fini c'est sûr que tu Yeah. c'est souvent les, les mêmes personnes qui qui font des qui bombent vraiment là qui sont dans les shows mais, ouais, mais on se dit même... eh, on va travailler c'est sûr qu'on va essayer de faire au moins un show ou deux cet été là sur, sur, sur. ça vaut la peine man ouais. 100%. Tu es t'es un fan de foot on dirait. hein ouais ouais ça j'ai remarqué <laughs> t'avais fait, je fait je un, 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 un je pense que as avec l'arena l'arena ouais ben, Lucas ouais on se connaît Luc aussi Charles, as le, ouais, ah, Lucas Lucas oui ah ouais ouais, ouais. on se connaît depuis depuis la France Non. Okay. Et Montréal avec Sharaf. Ok, ça Depuis Sharaf Big shout out, au frérot Sharaf. Ok. Tu fais de la soirée des shout outs. Ok, man, I get it. You get it. I'm tu fais des links I'm seeing the links. Soit ouais, ouais, le web, ça fait. Tu commences à comprendre. le web, ça fait. Been around. Ah, oh, c'est dope. Bien, yeah, yeah, ouais. euh, moi. Lucas, on se connaît. Puis euh, à un moment donné, je sais pas, il faisait. Moi, je suis un fan du PSG, quand j'habite à Paris, tu vois. Tu Et penses que Kylian va rester ou pas Arrête-toi J'aimerais ça, pas. bro, mais je ne sais pas, la vérité, c'est ouais. je ne sais pas, J'aimerais ça, bro, mais est-ce que ça? dans son intérêt, s'il veut... Parce que ce... Paris, c'est quand même sa ville, hein? Ouais, mais la Ligue, la, la ligue en France, c'est comme... C'est nice pour lui, Paris, OK, ils vont... il fait du cob c'est ça, mais... Il peut aller chercher plus. Mmh. C'est s'ouvrir au monde. Ça, lui, il va être le prochain, Ronaldo, le prochain, c'est... C'est les highest paid, hein, les, les, les soccer players. Non, je pense pas. Je pense baseball ou golf Box. Box, ouais, ces affaires-là. Mais les gars, tu là, ils, ils veulent lui offrir une affaire comme 50 millions par année. C'est oh, qui, c'est la boxe, Avec hein? une prime les de 100 millions. il ouais, ouais, y a pas de joueurs boxe. de base. Mais ouais, c'est le plus canelo boxe. Okay, tout. La boxe, oui. baseball aussi, c'est Yo, canelo, bro. OK, non, la boxe, c'est dans une autre catégorie mais comme c'est athlète yeah. dans des équipes tout ça Yo, les Latinos, soccer c'est plus que Cristiano Ronaldo mais c'est un six... portugais c'est un portugais mais ça, non mais je mais... pense que soccer ouais, players ça, are ça, higher là, là. paid than baseball players ah, right hum? il y a des joueurs de base qui font des 50 millions par année bro Yo, quoi Ah, mais ok c'est un dominicain t'es dominicain c'est un dominicain ah, me le dit je le crois ah, tout de ah, ouais, suite c'est le plus son cousin le cousin Santana là c'est sérieux là il y a été comme euh, recruté avec les Blue Jays. là. Oh, for real. For real, for real. Otto oh, Lopez. c'est fire, man. Ouais, 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 ouais. That's crazy. Non, c'est ça, moi. Moi, tous les Dominicains que je connais, ils jouent au base. Ouais, c'est des gars de l'école. Ils jouent rôle, au là. base, leur cousin, C'est quelqu'un qui joue au base, les affaires-là, de... plus le foot, là, je pense. Oh, Ouais. OK. Mais ouais, j'aime ai... le foot. OK, t'es-tu faut... hockey guy ou pas vraiment? Non. Je supporte quand ils sont allés. Euh, en yeah. fidèle, je t'ai aidé d'entendre, tu vois. Je t'ai allé chill d'entendre. OK, mais là, attends, attends. Le monde, les tu sais, femmes, les fans vont dire, OK, quand on gagnait en finale, tu es allé dans le temps. Puis là, quand on non, perd. Merde, bro, non, non, non j'ai juste... pas foutu la merde, bro. J'ai pas foutu la merde. Non, je te dis pas, t'as foutu la merde. Mais t'es-tu là durant les hard times aussi? Moi, <laughs> je suis pas un fan des Canadiens. Ah, OK. <laughs> Moi, je suis là pour la ville. Enfin, c'était dead les Canadiens, bro. T'es allé pour le tournoi. Je te dis la vérité, genre, je. Ils vont pas en finale, j'ai pas vraiment d'intérêt, genre. Toi, mais tu te dis que pas... c'est dead, c'est fini, toi? Qu'est-ce hein? je... Qu que tu dis, c'est dead, les Canadiens? Le Ce brand, c'est fini. Même l'impact, tu le dedans. brand, c'est fini. Ouais, Attends, <laughs> moi, je pensais que tu allais dire juste la <laughs> saison, genre. Yo, moi, je suis le brand, le doit de là. Yo, les Canadiens, ouais, je suis off avec les Canadiens, bro. Yo, écoutez, <laughs> euh, Depuis que est parti, les vues que vous entendez ici ne sont pas les vues de J7 Canadien, Montréal. You can holler at me, je veux être la voix oh, des Canadiens. Moi, je <laughs> Éventuellement. Non, je te souhaite, bro. Si tu deviens la voix des Canadiens, je vais être là. Il n'y aura pas de problème avec ça je enfin, veux juste dire que en ce moment le canadien c'est plus ce que c'était bro tu dis arrivé le brand est dead? yo depuis souben et tout bro ça m'a okay, fait, fait mal, mal. c'est vrai genre yo j'ai regardé ah, tout yo quand est... je suis mort y aller bro j'aime ma ville mais je suis, je suis fâché Yo, j'ai travaillé dans le restaurant des Canadiens, bro. Chris. Moi aussi, je suis fâché. Tu comprends, mais je suis fâché. je dis ça, puis je, je, je hate beaucoup là, sur les Habs aussi. Même l'impact, euh, bro. Je l'impact, bro. notre ville, c'est l'impact. C'est compliqué ouais. aussi. C'est mais... compliqué. Relations compliquées sur Facebook, bro. C'est juste ça, bro. Mais ouais. Alouette, ouais, ça non? reste Montréal, Alouette, au final. je donne avec les Alouettes. Ah, t'es down avec les Alouettes. Ouais, je Attends une seconde. Fait que les Canadiens, <laughs> le brand, il est pas bon. L'impact, ok. Alouette, ouais. They're doing it right? Moi, je suis oh, dans aussi. Mais je... bon, Donc, ils les essaient les de Alouettes, ramener ça bro. à une explique. Ça reste Montréal. Il <laughs> <You laughs> n'y a pas à hurter mes feelings. Ouais. OK, c'est vrai. Souban, ça t'a vraiment... Mais, mais je sais oui, pas, ça a fait je sais mal à toute pas. la ville, ça. C'est je... juste... Euh, je sais pas, bro. C'est la vieille mentalité. C'est ça, ça c'est vieille mentalité. Ouais. Ce n'est pas le fait que j'aime Souban ou whatever. C'est juste une affaire de... En tout cas. Mais c'est quelque chose qu'on voit dans la musique des fois aussi. Old mentality. Parce qu'ici, tu sais, comme like it or not là, la grosse industrie au Québec ils ont un peu peur là de, mm -hmm. de hip hop et tout ça fait c'est c'est un peu ça moi je pense Souban c'était un peu ça qui représentait un peu le, le il fit pas dans le dans le, le moule tu sais comme he does his own thing he's unique puis je pense c'était peut-être un peu trop sa personnalité était même trop grande and they couldn't handle it je pense yeah, man. anyways toi qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de ta vision de Montréal et de tout dans les dans de la scène dans les est-ce que tu penses qu'on je pense qu'on est les Do we have what it takes ouais je pense qu'on est au niveau international d'une manière ouais mais quand comment je sais pas mais je le sens je le sens plus que jamais tu sais souvent les gens ils disent que en ce moment c'est le meilleur temps entre guillemets comme du rap game québécois tu penses pas que ce l'est? que penses-tu que tu sais en 2022 on est là ouais tu c'est pas mais je pense que ça ouais, c'est mieux que jamais, je pense. Yeah, moi, je pense que c'est important que vous créez une structure, votre XLV et tout. Ouais. Vous mettez ça en, si vous en concret, bro. Si vous voyez que, pensez... que ça se brand tout seul, Parce genre. Parce qu'on uh -huh. sait jamais ce que le futur va ramener. Vous avez des bons artistes autour de vous mm -hmm. et tout. Juste, les gars, allez chercher le knowledge, partagez l'information, puis faites-les. Tout ce que vous avez besoin, c'est un track record. C'est toujours. Je, tu comprends, je... vaut mieux commencer aujourd'hui, faire des erreurs, whatever, être le négatif ou à gauche ou à droite. Mais au moins, faites un track record de ce que vous faites. Puis regardez. Puis soyez straight les uns avec les autres. Puis c'est la meilleure des choses. Oh Puis comme... vous avez de l'entourage et tout. Même, tu vois, comme Bashi, il n'est pas là. Il ne s'affiche pas. Il fait du fou. Non, mais là, il est là dans la structure. Mais il est là dans la structure. Ouais, ouais. Donc chacun, prenez ça au sérieux. Parce que dès que les gens voient que vous vous prenez au sérieux, tout le monde autour vont comme. C'est l'énergie que vous. Tout, tout le monde, comme tu as dit tantôt, tout le feedback que tu as eu, c'est positif. comme ouais. Moi aussi tout le monde n'importe qui à qui je l'ai fait entendre tout le monde que je connais qui l'a écouté uh, only have positive pas. toute l'énergie là qui a autour de la rive c'est nice bro c'est pas comme c'est beau ce qu'il y a à faire puis continuer to be honest les ah, ouais, exécuter on et... en veut on veut le 3 et tout continuer je trouve que c'est pas à la hauteur le, le projet tout ce que vous faites n'est pas ne chaîne pas à la hauteur de ce que de ouais quelque ouais, chose en soi je comprends ce que tu veux dire mais, mais euh, le projet il, il est vraiment il mérite qu'il qu y ait plus d'enfance là-dessus. Là je pense, je suis vraiment content que tu es venu, qu'on en parle aussi, aussi puis j'espère que peut-être d'autres mondes vont plus regarder, puis voir, OK, man, il, y a, il y a un projet solide qui est sorti, parce mm -hmm. que c'est really vraiment dope. Même moi, en l'écoutant, j'étais comme, damn, hein. Like, non, il y a des groupes. A des groupes. Ah, non, non, c'est quelque chose de solide. C'est cool production, de... puis tout, dans l'ensemble, c'est ça. Moi, c'est vraiment sur ça que j'ai travaillé, puis c'est un truc d'équipe, trop en Félix, il y a Step Up, G-Step Up, Baché, Step Up. On les prod, tout était mieux que le premier, tu C'est ça que je voulais faire. c'est ça. Moi, c'était ça. Je m'en fous que ça fasse un million de views, que ça fasse 50 000 views. Depuis que tout le monde. Moi, je le sais. Puis l'énergie que je reçois, genre, c'est ça. C'est du positif. Puis je le sais qu'on a fait mieux, genre. Sans c'est pas. les views, tout ça, ça, c'est du hype. mais c'est important, tu vois. Mais. côté business, c'est important, plutôt. Mais quand on la reconnaissance, comme je c'est ça. Moi, je pense juste que quand tu fais de la bonne musique à la fin, dans cinq ans, dans dix ans, quand on va look back, va on va bon dire oh, ça, c'était un projet. On ne va ça. pas penser aux views, on va penser exact. à la musique. Tu comprends? Fait vous avez ce qu'il faut. Puis comme tu dis tantôt si le, le, le XLV a commencé un peu à circuler, puis c'est devenu un, un peu un thing. Mm -hmm. Déjà, tu vois quelque chose se brand tout seul. Fait que c'est juste la suite logique de officiel, officialiser l'affaire tu sais Make it a label or whatever. Whatever la vision, tu sais. On ne sait jamais que ça peut être là-bas. Even yeah, a clothing man. line, whatever you want to do with it. <laughs> mais comme, si tu vois quelque chose se brander tout seul, c'est sûr que ça vaut la peine. Mais à ce niveau-là, si tu avais des conseils à prendre, tu as une heure mm. à choisir avec n'importe qui pour faire un meeting et apprendre sur le game. Avec de n'importe qui. qui au monde. N'importe qui dans le monde. Tu, tu veux peux faire avoir un meeting. une heure de son temps. Tu as une heure de son temps et tu veux parler avec qui les... 50? Oh. 50? Ouais, 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 sa vision. Oh, 50? Je donne avec 50, bro. Au moins, lui, là, comme. Il va être straight avec, avec ses... toi, bro. Oh, non, mais genre, ouais, peut-être ça va être bizarre. Genre, il va me dire straight ce qu'il pense. Puis... <laughs> mais oh, c'est ouais, ça mais que je veux, bro. Si dis-moi dis 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 ce que tu penses, puis dis-moi. Genre, ouais. Je vais apprendre. C'est sais qu'il va être dire ouais, direct. Ouais, ça. Ouais, 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 ouais. Lui, comme, il y a une folle vision, puis genre, ce qu'il fait avec ses shows, c'est incroyable, là, trop. Ok, tu le tu suis aussi du côté euh, télé et tout. j'ai commencé, genre, ah, ouais Power ouais. ces affaires là c'est fou. Je I gotta get into it man. Pense je suis pas un gars de série pour vrai, j'écoute zéro, puis j'écoute pas beaucoup de films. Je joue. J'écoute <laughs> <dans laughs> ouais. Pas beaucoup de films, puis j'écoute pas tant de séries OK, mais Power puis ces affaires là, là j'ai rentré okay. dedans là. Il y en a okay. d'autres que j'ai écoutées. c'est et tout. Oh ouais. Non non, c'est dope. 50. Euh, la transition qu'il a faite, c'est comme ah, the smoothest est transition ouais. like he's killing it. Tu so, tu veux le Super Bowl uh, ouais ouais c'est fou <laughs> moi j'étais euh, <laughs> ouais moi j'ai écouté juste pour ça parce que la NFL genre je connais pas trop ai... ouais j'avoue que The Chronic 2001 c'était comme fou. ouais yeah, pour moi c'était comme ils sont tous là en plus il y a pour l'heure Mario J. Blatt, qui a rapport dans le show de Power tu vois ouais c'est comme ce jeu okay, c'est sûr que c'est lui là, point, quand, hein, il est trop n... il oublie ça là c'est le show c'est le show parfait Mario J. est dans Power non en est dans dans Not un autre en tout cas whatever là ouais ça il y a plein de saisons genre ouais c'est c'est pas ouais c'est un autre là pas power l'autre Jim vu dans l'affaire toujours yeah. method man aussi je pense yo big shout out ouais, à fifty method man aussi ouais. oh, ouais. shit ok m&m aussi dans une autre affaire ouais m&m j'ai vu les photos ouais. c'est dope ouais fifty mais tout le monde mais ben, juste des rôles euh, une fois là comme m&m ils jouent Il joue un seul là to be honest fifty c'est celui qui avait one shot dans le truc Yo T'as vu, il était comme ça, frère. Ouais, les gens l'ont dit, mais comme yo, t'as Yo, t'es 100 mignons, t'as combien de personnes qui te regardent Ah oh, yo, ça c'est fou. <laughs> c'est comme ça. Puis tu fais, ouais, hé, chère. Après ça, t'as la fille qui twerk, là, ou qui, ça, qui est en train de danser, qui a la caméra sur elle. Lui, est obligé, là. Il non doit mais doit descendre, t'sais... puis il continue sa performance. Yo il faut donner le props à 50. Ben. Non, en plus, en plus, ça, là, du genre. Ouais, c'est devenu un meme, genre. Ouais. Mais c'est comme, vous êtes fucked up, là. Il a still fait, là. Yo, Snoop, il a pas 20, 20 ans, là. Je pense qu'il a fait. I think, he, I think he still looks good, 50, là. Il était pause. Oui, oui yo, il yo, est rendu à quel âge, là, là. Yo, c'est lui qui avait la performance. Il, il est 46 years old. Il est millionnaire, man. Come on, man. Mais c'est lui qui avait la performance la plus compliquée, bro. Yo, tu sais, qu'est-ce qui est fucked c'est que, avant qu'il. Quand il a descendu, comme pendant que Drake et Snoop, il performait, il est allé. Il s'est comme accroché pour se décrocher, whatever, you know what I mean? So, ça aussi, il y a tellement de fuck-up qui aurait pu arriver, mais il a dead, man. Moi, je pense qu'il a dead. Ouais, c'était juste un drôle. drôle hein. It was kind of funny aussi, les memes. Là, mais comme, qu Ce est... qui est fou, c'est que c'est 50 qui lui a donné du temps, du temps de glace, façon il de Il a donné fait. son temps à mnm ah, tu veux dire, M&M yeah, ouais. a donné du temps pour que 50 puisse perdre. Ah non, à Kendrick. Je pense que M&M, c'est pas à Kendrick. Qui a donné non, c'était à 50 il a coupé son, sa partie un peu pour que 50 puisse faire euh, l'affaire. Mais moi, je trouve que, justement, il y avait trop C'était Dope qui était toute là. Mais c'était court, cool, ouais. C'était trop court. Cool, ouais. Tu sais, comme, OK, la, la moitié d'In the Club, la moitié de ça. J'étais comme, j'aurais aimé ça. Euh, je sais pas. Non, je te filme. Peut-être j'aurais enlevé Mary J. I'm mmh. just saying. Vous auriez rajouté qui Personne. Non ouais, ouais, T'aurais pas rajouté. Moi, j'aurais. Non, Game aussi, ça, c'est un autre... Ouais, ça, c shout de à Game. Game, il, y il est dope. Plus... Ouais, ouais. Game, il est dope. Moi, je, je trouve vraiment dope comme rappeur, mais tu sais... Il méritait pas sa place. Mais là. je sais pas. Il méritait pas sa place, non. J'aurais mis, 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 mis Ice Cube avant, là. Moi, je remets Ice Cube. Ouais, oh. c'est ça, la fin. Mais après ça, c'est débattable. Là, trop après ça, temps, tu commences genre. à débattre, c'est ça, mais comme... Non, Game, il est dope, mais il méritait pas sa place, Les autres, c'est tous des gens superstars, là, mondial, Tu comprends ça? Ce qui est cool, c'est de voir Snoop shine. Ouais. ouais. Snoop était là. Snoop il il a shine comme changé toujours. Là, toi. Snoop shine comme like toujours, man. Moi, pour Snoop moi, ça, c'est un des, des goats. Puis que, tu sais, souvent, on ne mentionne pas. Le monde, il ne mentionne pas Snoop dans leur top 5, whatever. Mais, like, yo, il est là depuis 30 top ans. Top 5, peut-être pas top 5, bro. Pourquoi Comment Peut-être. Pourquoi pas Rap Pourquoi comme. Pas. Il peut être dans le top 5. Ouais. De toute façon, dit, comment Top 5, quoi Top 5, parce que... Overall, ouais. Je veux dire aussi, même Snoop... c'est que... To be honest, les... pour moi, c'est le, le top... Personnage, il est dans le top donc? 3, personnages rap, To be honest, je lui donne. Dans ce top 5, ouais. uh, rap performance, je ne lui donnerai pas... L'affaire, c'est que le monde oublie quand il est sorti... Tu me quand on donne il est sorti. la vie des rappeurs que j'aimerais vivre, je dirais Snoop. Ouais. Ouais. Je so pense que c'est le rappeur qui... A, qui a il a le moins changé, il a le moins changé. Il est pareil, bro, tu le vois au Super Bowl, il était backstage. Tu sais, il a eu sa phase, genre, de côté, avant d'embarquer sur le stage. Tu comprends ce que je veux dire? Come on, man, like, Snoop is Snoop, Si tu sais. If he goes to the White House, je suis sûr qu'il va être comme, « All right, va là-bas, tu peux faire là-bas. » Tu l'as pas déjà fait? Je suis sûr qu'il l'a fait. Je sais pas s'il a déjà fumé, Je sais pas. Ouais? Je suis sûr qu'il l'a fait. Je serais pas surpris, bro, mais c'est ça, tu sais, like, il est tellement un icon, mais malgré qu'on le voit comme un icône tout ça on oublie que yo 92 93 94 95 là il était un beast pour moi the là le mic excusez-moi les gars mais il faut que je parle de lui celui pour moi qui est Snoop Dogg, mais de l'autre bord dans sa famille à lui dans les personnages Red. Euh, comment il s'appelle le joueur de basket là qui avait les cheveux avec les beaux. Ah oh, Rodman Rodman, yo, Rodman. Yo, Dennis Rodman then... <laughs> yo, Dennis, parce que yo ce gars-là il est avec uh, Kim Jong Un oui, <rire> <rire> ouais, ouais c'est son pote. Ouais, c'est oui. <laughs> J'ai pas... pas compris la comparaison avec Snoop là, mais ouais. de toute façon, c'est des, des personnages. Ouais, ouais 100%. Sont de de dire, than life, ils sont bigger than life mm. Ils pour moi, Snoop, c'est quelqu'un qui est bigger than life. Quand je regarde Dennis Rodman, c'est quelqu'un qui, de de qui est, à loin extravagant. Puis Snoop, de façon de dire, c'est quelqu'un qui, à travers sa carrière, il a survive. De toute façon, dire comme il a eu, yo, le gars, il, a, il aurait pu avoir un ouais, case. Il comme plus big que sa musique. Oh, ouais. Comme de voir ce que ce gars-là est devenu. Mm -hmm. Like, t'as Biggie qui te parle, yo, Juicy, uh, uh, it was all a dream. Mm. Like, de voir ce que ça, ça a. Snoop ça, lived ça, it. Snoop lived it. C'est jusqu'à mm -hmm. venir puis acheter Death Row, comme, come on, man. Ah, ça, c'est un fou move. C'est ce que je veux dire, comme... Puis, il veut en faire <laughs> un label de NFT. NFT <laughs> comme, tu sais, He's all into the new technology. L'évolution est juste légendaire ouais, à voir. des trucs de ligue, de sport, de football, je mm -hmm. pense. Ouais, ça. pour les enfants, C'est inspirant, ouais, man. comme Pour de vrai, c'est inspirant à voir quelqu'un d'aller de où est-ce qu'il était à qu ce qu'il est devenu, man. So. Puis même ce qu'on fait en ce moment, comme un peu avec le GNG, il y avait un, un genre de podcast dans le temps, là, où je ne sais pas comment il faisait. Ben <laughs> oui, quand il était assis sur la table, il y avait tous ses produits, là. Ben ouais, GGN, c'est yeah. GGN uh, News Network, Gangster yeah. News Network, classique. Yeah, Checker l'épisode avec Larry King, man. R.I.P. Larry King, ça, c'était yeah. légendaire. I'm just saying. Ben, I'm just saying, je pense que je le mettrais number one. Yeah. <laughs> Bon, là, tantôt, tu me dis que je ne le mets pas dans mon top 5, mais tu sais quoi, finalement, je le mets number 1. Yes, c'est vraiment Snoop, ouais, c'est number 1. Yo, bro, je te dis, c'est pour ça je te dis. To be honest, c'est good. Comment? Big shout out, Smoke Signals. Big shout out, Smoke Signals, they got us right. Mais ouais, man. Toi, ce serait qui? Ton greatest of all time en français, c'est-tu Bouba Ça serait-tu lui ton. Ouais. Ok, c'est c'est le choix évident, on dirait, ok, ok. Non, mais pour la carrière, tu sais, comme sur l'ensemble, sur le long ouais. terme, genre. Euh, ouais, j'avoue. Il y a d'autres art. artistes qui sont forts, genre, mais. Nekfeu. Ah, Nekfeu est solide. Yo, Nekfeu. Son premier yo, album, bro. je me souviens, on était en ensemble, Nekfeu. je pense, à son premier album à Montréal, tu vois. Mm. Je me rappelle, dans un... il avait fait un show, là c'était un petit show-là. Mm. Ouais, il avait, il avait marché pense... sur le mur, là. Oh. Yo, bro, c'était fou. <laughs> yo, <c 'est... rire> Moi, je connaissais pas Nekfeu, j'avais entendu parler. Yo, bro, il a, sorti la... il a fait son album, euh... c'était pas Feu, justement. Mm L'album-là, il l'a fait la veille ou 48 heures avant que l'album sorte. L'affaire est devenue viral. Là. Shit, that's crazy. Ouais, ouais, ouais. Fou, il... Non, Nekfu, il était lourd, bro. Ici, il y a alors. eu ça, un... C'est un, un, un lyriciste, Nekfeu, right? Gros, 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 gros lyriciste, ben oui. Ah, je... Tu sais, comme on parlait tantôt de ta track euh, « Ça dit quoi? » Justement, quand moi, je l'ai entendu, j'te... ça m'a donné un peu le vibe de genre... Laisse-moi les rappeler. Je genre... <laughs> sais pas si c'était <laughs> ça un peu le vibe ah, que t'étais comme... Peu, Yo, ouais, j'étais comme... Je... C'est le temps, genre. Ouais, c'est ça. Là. Non, parce ça que c'est dope. C'est un gros track. Ouais. Moi, quand je l'ai entendu, j'étais comme, oh shit, ok. Et c'est-tu un dilemme pour toi, tout ça À un moment donné, dire? comme de sacrifier ça, ça va quoi faire, genre? Sacrifier la plume pour le flow d'arriver mmh. Non, parce je suis d'une génération. Je, 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 je focus moins sur le flow pour essayer de justement, comme. Mais. Pour juste pour rajouter les paroles et tout, c'est ça Ben, maintenant, je, beaucoup, je, je travaille beaucoup avec des top-lines, genre. Même si, genre, c'est pas oh, shit, forcément okay. mélodie, je trouve mmh. les flots en genre de top line Genre, là, je m'enregistre. Je trouvais moi m'enregistrer sur mon phone, des notes. Ah, ok, fait que tu as changé un peu comment tu écris. Ouais, avant, que tu faisais pas ça, genre le... Non, ben, comme je te dis, moi, c'était tout le temps flow. Sur... J'essayais de trouver un... trouver un flow dans ma tête. Là, je faisais quatre bars. Ah, ok. quatre bars, quatre bars, quatre bars, genre. Mais là, je le fais un peu différemment. C'est un peu le même principe, mais j'essaie de trouver quand les. Quand tu dis quatre bars, est-ce que tu les écris ou tu les écris pas Ouais, je les écris. Ah, ok, ok, ok. Ah, ouais, avant, j'écrivais sur une feuille, là, mais okay, là, je okay. suis sur mon phone, genre. Et, uh j'essaie tout le temps de trouver la manière que je vais rentrer avant, Mais de... c'est ça que j'ai remarqué. Aujourd'hui, les, les artistes, c'est beaucoup top line, que ce soit mélodie ou même juste le flow. Ils commencent avec oh, ça ouais. puis ils remplissent après, genre. C'est intéressant. Il y un monde, OK? C'est yeah, 2022, yeah, shit. C'est aussi beaucoup les mélodies que ça est comme ça, genre. Oui, mais les mélodies ouais. Ouais, mais même les flows comme c'est une bonne technique si tu veux mais développer je sais ton déjà, flow. déjà c'est juste c'est un processus un peu compliqué là, Mais c'est c'est simple pour moi genre mais, mais es tu écoutes qui... instru puis je la répète, je la répète, je la répète, je la répète. Ouais ouais, c'est ça. Euh, es tu quelqu'un qui prend beaucoup de temps studio, ou es comme, en studio, T'es comme en long mois 15 minutes, être, ça peut que J'écris pas au studio. OK, tu prépares la track avant. Ouais. Je trouve que c'est toujours une meilleure technique ça. Mais Bien, je non. peux des fois je peux je peux le faire genre. j'aime ça tu sais dans mon verbe mais pareil, tu... la base au moins et puis après ça je peux arriver puis écrire le reste genre. ok, okay. la base elle se fait généralement chez moi c'est quoi le le PCL euh, starter pack dans ce studio qu'est-ce que tu as besoin tu vas au studio là c'est quoi t'as besoin donne un buzz ok un buzz puis un verre de l'eau ou elle veut quelque chose à boire genre. des fois alcool mais pas tout le temps là plus euh, party vibe ou focus vibe euh, focus ok ok hmm. t'es que... célibataire non bah, ben, compliqué compliqué ça dessus Facebook <laughs> c'est compliqué compliqué, <laughs> compliqué. mais je suis pas je suis pas célibataire vraiment. ok je sais pas j'allais dire plein de femmes non c'est j'allais dire plein de ouais. femmes et tout ta, ta, ta. Non. Comme, non 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 je voulais j'ai passé cette étape là, là. ah, ah ouais, hein. ouais ok mais n'ai pas été beaucoup en relation dans ma vie là, mais... puis là tantôt tu as mentionné euh... À moins que tu veux continuer, tu as d'autres questions dans, dans cette Je ne sais pas mode, moi, moi, bah, <laughs> poser une si, si tu veux, ton EP as dit que tu prépares. Ouais. Ça, c'est-tu pour bientôt? As tu as-tu une date et tu es en train de le travailler en date. Il est presque déjà prêt, là, honnêtement. Ah, okay. Okay. Bah ouais. cest tu toujours avec le même producer? Eh oui, euh, non, là, cette fois-ci, au niveau des beatmakers, j'essaie de... Il va avoir un genjutsu. C'est juste que je veux pas forcément faire juste avec lui. Je, je reçois plein de beats genre, tout le temps sur 3 mes beatmakers sont forts, là. les gars sont rendus jeunes. C est, c est 100%. Grand, je m'm. De plus en plus jeunes. Je vais aller avec des beatmakers local beaucoup. Nice. OK, c'est dope ça. Nice. Mais Genji 2, ça reste toujours là. là. C'est juste... Hey. Normal. Si tu avais des conseils que tu te donnerais à la personne que tu étais a genre 10 personne, il y a 10 ans, hmm. ça serait quoi? De jamais avoir arrêté, je pense. Ah ouais? ouais. Parce que je sais que j'aurais jamais arrêté peut-être que j'en serais plus loin ça je le sais c'est sûr jamais arrêté c'est toujours c'est sûr moi j'ai pris à un moment c'est un choix puis j'ai décidé là trop bon je voulais focuser sur autre chose dans ma vie normal mais ouais bon, ben, c'est normal bro. Tout genre c'est juste monde que en fait, si je euh... sais si j'aurais pas arrêté genre parce qu'on était rendu quand même on commençait trop bon, à, à pouvoir remplir des petites salles genre 150 personnes mm -hmm. puis ben ça bien, commençait quelque chose là fait que là genre c'est juste comme un autre, tout le monde a commencé, évidemment, avec des enfants. Moi, la, vie, là, ouais, la, la vie, bro. ouais c'est vrai, la vie. Là. arrive, man. On a tous fait nos affaires, chacun notre bord, tu vois. Mais la vie a fait qu'après ça, j'ai rencontré des gars comme Santana, tu puis Là, eux autres m'ont remotivé un peu. là Je suis comme, OK, let's go, let's go. Let's bah, oui, man. Ça s'est fait naturellement. la force quest ce qu'il fait là, aussi, euh, on, on est sur un... Là, là vous oui, êtes oui, sur man. un lancer, là. là. Sur un run. ouais ah, il y a un planning, C'est une belle histoire, ben. Les gars, continuez, man. So, yo... On va passer bientôt au Patreon. Je pense que pas ouais, si tu un mot de la fin, mon frère. Yo, merci à vous, les gars. Ça eh, fait plaisir, plaisir, man. Thanks for coming through, Manji. Merci, merci d'être connaît... passé, bro. On... on vient de se connaître. Ben ouais, on, on se rencontre plus, mais... là, mais yo. Okay, Big vous respect. Voyez. Moi, ben moi je connaissais de... avant, j'ai déjà vu le nom trop mais eh oui. dans la scène anglophone. Mais. Ah oui, Personnellement, des... j'ai déjà vu les noms, là, là, sur bro, les flyers, si, oh, oui. ça, ça. J'étais là, 11, là, je faisais ça. I was, I was <laughs> my I know, bro, Mais, I'm comme like personnellement, <laughs> on s'était jamais vu, là, trop bon. c'est okay. avec okay. toi en venant <laughs> ici, <laughs> déjà avant. <laughs> that's non, non, puis c'est dope mais moi, comme que je disais tu sais, comme tous les artistes que j'apprécie, puis que j'aime leur travail, évidemment, j'aime ça m'asseoir avec eux. Non, mais ça paraît être un passionné, c'est ça, c'est fou, puis les deux, continuer les gars. J'apprécie mon bro et tu sais, déjà, tout ce que tu fais, man. We got you over here au podcast. On va, on va toujours on pousser. Continue, man, parce que comme qu'a dit tantôt, le projet est vraiment solide. Puis je pense que euh, le public, tout le monde, ça mérite que tout le monde aille le checker. You know what I mean? Ouais, ben prenez yeah le man. temps. Si XLV2, ça passe. Yes, sir. It's out right now. Allez checker ça, you know what I mean? PCL, Batchy Flow, go stream it. Vous savez, on est où, man? On est au est podcast, bien. man. Big shout-out à tout le monde sur le Patreon. Vous savez déjà, la communauté est en train de build, man. Much love à tout le monde là. Là, on va passer à des questions un peu plus intenses, un peu plus comiques, un peu plus sur un vibe, you know mais. Fait qu'on va passer au Patreon. Mais shout-out okay. à tout le monde qui nous regarde encore yes une sir. fois, man. Uh, share, like. Y'all know how we do it, man. C'est votre boy J7. C'est votre boy On s'en va au Patreon.